Boker Tov, Moadim Lesimcha, à tout le monde, à tous, à toutes. Zahat Hashem, de bonnes nouvelles pour tout le monde, que des bonnes choses. Refoua, Zahat Hashem, Refoua Shlema, pour tous les malades. Et beaucoup de joie, qu'Hashem y comble les manques de chacun, dans tout ce que chacun, chacune, il attend, il demande de la vie, Zahat Hashem. Beaucoup, beaucoup de réussite. Beaucoup d'atzlacha. Tout bechesed chinam, tout gratuit, la bonté gratuite. Donc hier, on a parlé du fait que la lune avait été diminuée et que maintenant de trouver le point de départ de la lune où on sanctifie le mois. Ça, c'était de trouver le point positif. Parce que quand la Lune, elle a accusé, c'est-à-dire quand la Lune, elle a dit, mais il n'y a pas la possibilité pour deux luminaires de dominer, c'est-à-dire que maintenant, du moment où il y a avant la création et après la création, si les deux choses sont aussi évidentes, donc il ne va pas y avoir de libre arbitre. Donc Hachem lui a dit, tu vas te diminuer. Donc quand la lune s'est diminuée, Hachem lui a donné les étoiles pour la calmer. C'est-à-dire une fois qu'il a diminué, il lui a donné ensuite tout le système des étoiles. C'était pour calmer la lune. Comme ils ont dit nos sages, parce que les étoiles, en fait, c'est les points positifs qui se trouvent dans chacun. Grâce à ces points positifs, on va rentrer dans le kafsrut, c'est-à-dire dans le fait d'être jugé positivement, behemet. Aller déchets d'anim otam le kafsrut, par le fait que maintenant, on va juger positivement les gens. C'est-à-dire une fois qu'on va juger quelqu'un positivement, alors on va vraiment le faire rentrer dans le positif. En fait, c'est le travail de la réparation de la lune. C'est-à-dire que comment on va réparer la lune, c'est par le fait que maintenant on va juger positivement les situations qui sont apparemment assez compromises. C'est-à-dire les situations qui ont l'air les plus difficiles, les plus délicates, et quand on voit que le bien n'est pas évident du tout, à ce moment-là, on va chercher un point positif, et quand on va trouver ce point positif, alors on va retourner complètement la situation, et toute la situation, elle va être positivée, elle va être optimisée par le fait qu'on a trouvé un point positif. Et ça même, c'est la réparation de la Lune. La réparation de la Lune, c'est ça, c'est que maintenant, du moment où la Lune, elle a été déconnectée du Soleil, c'est-à-dire elle a été décalée par rapport au Soleil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évidence d'Hachem dans la matière. Il faut chercher. Donc, de la même manière que quand on voit quelque chose, quand on voit dans l'humain ou l'animal, le minéral, le végétal ou le minéral, on voit apparemment quelque chose qui a l'air matériel, mais dans cette matière-là, il y a Hachem, mais il n'est pas évident. Il n'est pas évident. Avant que Adam Arishon y faute, même l'arbre fruitier, il avait le goût du fruit. C'est écrit « Etsperi oseperi », un arbre fruitier qui fait des fruits. Mais l'arbre lui-même, c'était un fruit déjà. C'est-à-dire on pouvait, quand on coupait un morceau du tronc de l'arbre, on mangeait, c'était aussi du fruit. Après, ça c'est les choses, elles sont devenues plus cachées, plus difficiles. D'ailleurs, caché en hébreu, ça veut dire « difficile ». En français, ça veut dire caché. Que c'est caché? Caché. En hébreu, ça veut dire difficile. C'est caché. Caché, mais très difficile.
Caché, c'est caché, c'est difficile. Qu'est-ce qui rend difficile? C'est parce que c'est caché. Pourquoi c'est caché? Parce que c'est difficile, c'est caché. Alors le fait que maintenant il n'y a pas d'évidence dans la matière, il n'y a pas d'évidence de la présence divine, ça demande une recherche. Alors aussi dans l'individu aussi. L'individu, voilà, il mange des trucs, il a des plaisirs, des intérêts de ce monde, etc. Alors apparemment on voit pas trop, ça n'a pas l'air, on voit pas tellement de côté transcendant dans l'être humain, surtout un consommateur. Alors il faut chercher et trouver là-bas un point positif. Maintenant quand on trouve un point positif, alors ça annule tout l'emballage qui était en fait qu'une façon d'arriver à ça, c'est-à-dire c'était en fait tout ce qui emballait la présence divine, c'était uniquement une protection pour la présence divine. C'était une protection, c'est-à-dire que maintenant, si tout était évident, alors ça aurait été complètement différent. Le fait maintenant que c'est pas évident, ça demande une recherche. Et le bien, il est caché. Et même dans chacun, le bien est caché. Le bien qui est en lui est caché de lui. Et c'est uniquement s'il le cherche qu'il va le trouver. Alors il faut qu'il le cherche. Et pour commencer à chercher, il faut qu'il ait la émouna, qu'il existe. Il faut qu'il ait confiance en lui, qu'il sache que le bien existe en lui. Même s'il l'a pas trouvé. Mais il faut qu'il ait confiance. Il dit, attends, mais Hachem, il ne m'a pas créé comme un consommateur. Hachem, il m'a créé, j'ai quand même une âme, j'ai une sensibilité, j'ai beaucoup de choses qui ne sont pas nécessaires pour consommer. C'était le but, c'était que de consommer. Pourquoi Hachem, il m'a donné tout ça? J'ai besoin de tout ça. Si j'étais juste fait pour consommer dans ce monde, alors beaucoup moins de qualité, j'aurais pu consommer. Alors chercher jusqu'à qu'il trouve en lui quelque chose de positif, quelque chose où il s'est dépassé par rapport à la consommation. Et là, il va rentrer mettre dans le côté positif, c'est-à-dire qu'il va être jugé positivement, c'est-à-dire qu'on va le sortir complètement de tout le côté négatif qu'il a pu avoir dans sa vie, dans n'importe quelle situation. Tout ça, ça va être complètement annulé. C'est des ma'asim qu'il faut qu'on cherche. C'est des ma'asim qu'on fait de bien, ou c'est des choses de notre personnalité qu'il faut qu'on trouve, qu'on a tout. Non, c'est à tous les niveaux, c'est-à-dire dans la pensée, dans l'action, dans la parole, dans tout. Dans tout, dans ton comportement, dans tout. Dans tout, tu cherches qu'est-ce qu'il y a de positif. Tu cherches le positif dans la chose. Tu te dis, voilà, tu te dis qu'est-ce qu'il y a de valable? Qu'est-ce qu'il y a de valable dans ce monde? Qu'est-ce qu'il y a de valable? Qu'est-ce que j'ai fait de valable dans ce monde? Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Alors tu cherches, maintenant quand tu vas trouver quelque chose de bien, tu vas voir qu'il y avait beaucoup d'intérêts, de trucs, etc. Alors tous ces intérêts, toutes ces choses aussi, tu les mets de côté. Après tu vas arriver à un point vraiment positif, et ce point positif là, ça va, si tu veux, racheter tout le reste. Ça va racheter tout le reste, c'est-à-dire tout le reste, ça va disparaître par rapport à ce point positif là. Et on ne regardera après de toi que ce point positif. Le reste, ça sera pas important. Et au contraire, après le reste, ça va servir de tremplin pour le positif. Comme Rabbi Nathan y rapporte, il dit que nos sages, il dit, mais malach melitz echad min elef. C'est-à-dire qu'il va y avoir un ange positif par rapport à 1000 accusateurs. Alors il dit, quand l'homme est jugé, alors Hachem, il laisse les accusateurs parler, il leur dit, qu'est-ce que vous avez à dire contre lui? Il dit, voilà, il a fait ça et ça et ça et ça. Maintenant, il vient un ange positif qui a été créé par une bonne action. Et il dit, voilà, cette personne-là, une fois
a mis les tefilin. Une fois, elle a donné une tzedaka. Une fois, elle a rendu visite à un malade. Une fois, elle a fait ça. Alors, maintenant, on utilise toute l'accusation comme contexte pour optimiser le bien qui a été fait. C'est-à-dire, quand maintenant le point positif il a été fait justement dans des conditions qui sont complètement à l'envers, catastrophiques, ça fait monter la valeur du positif encore plus. Qu'est-ce qui fait monter le positif? C'est le fait qu'il y a tellement de négatifs. Alors, quand maintenant il y a eu de. C'est comme l'offre et la demande, si tu veux. Pourquoi quelque chose ça coûte cher? Pourquoi ça coûte cher? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent ça. Si maintenant les gens ne demandent plus, même si c'est de l'or, même si c'est des diamants, ça ne vaut rien du tout. Il n'y a personne qui veut acheter, alors ça ne vaut rien, c'est tout. Ce n'est pas que ça a une valeur. Quelle est la valeur que ça a? C'est la valeur de l'offre et la demande, c'est tout. Tu vas trouver maintenant un vieux livre qui a été écrit par quelqu'un en 1800, en 1600. Et ce vieux livre-là, il va être vendu à Sotheby ou Sotheby's, ou je sais pas. Il va coûter 5 millions d'euros. Mais ce livre, il coûte pas 5 millions d'euros. C'est un bouquin comme ça, avec du vieux papier et tout. Ça vaut rien. C'est parce que c'est quelque chose que les gens ils apprécient beaucoup. Alors ça va lui donner sa valeur. Maintenant, ce livre-là, il est extrêmement rare, alors il va coûter très très cher. Alors maintenant, la multiplication du mensonge, ça va créer la rareté du bien. D'ailleurs, toi, tu n'as rien à faire, tu fais ton petit truc tranquille, et le mensonge, il travaille pour toi. Parce que plus il se multiplie, et plus tu montes en bourse. C'est-à-dire le bien que tu as, il monte en bourse. Sans que tu aies fait quelque chose de spécial. C'est-à-dire, toi, tu as fait ta petite action, c'est tout tranquille. Tu n'as pas fait quelque chose de spécial. Mais le fait que le contexte, il devient de plus en plus difficile, et il y a de plus en plus d'accusations, il y a de plus en plus de paroles, de gens qui parlent contre, et des choses, etc. Tout ça, ça fait monter la valeur du bien. Ça donne une valeur à la moindre action positive. C'est pour ça que notre époque, c'est une époque où on peut s'enrichir très facilement. Je parle s'enrichir avec spirituellement très facilement. On peut atteindre des niveaux extraordinaires, parce qu'en fait, le niveau, il est jamais jugé de façon intrinsèque. Il est toujours jugé de façon relative. Il n'est pas jugé, l'action, on n'est jamais jugé isolé. On ne dit pas, voilà, maintenant, celui-là, il a fait telle mitzvah. Il a fait telle mitzvah, il a donné la tzedaka. Ok. Alors, dans quel contexte il a donné la tzedaka? Une fois, Rabbeinu l'a dit à un de ses élèves, il lui a dit, toi, c'est toi qui me donnes le plus de tous les élèves que j'ai. Et pourtant, ce n'était pas un élève qui avait beaucoup, il ne donnait pas beaucoup à Rabbeinu, il donnait presque rien. Mais qu'est-ce qu'il donnait? C'est qu'à l'époque, les gens qui enseignaient aux enfants, ils enseignaient pour 6 mois. C'est-à-dire que quand tu prétendais un poste d'enseignant, c'était par exemple maintenant de Rosh Chodesh Nissan jusqu'à Rosh Hashanah. Voilà, tu t'es embauché dans l'enseignement, c'était pour un cycle de 6 mois. Après, de Rosh Hashanah jusqu'à Rosh Chodesh Nissan, ça marchait comme ça. Mais comme cet enseignant-là, il voulait venir chez Rabbeinu pour Rosh Hashanah, donc on ne pouvait pas prétendre au poste pour 6 mois. Donc le Maasé, il travaillait que 6 mois par an. Et l'autre 6 mois, après, il n'avait pas de travail. Parce que comme il venait à Oumana Oshana, donc il ne pouvait pas commencer son année scolaire. Donc il perdait le travail jusqu'au Rosh Chodesh Nissan. Alors Rabbeinu lui a dit, toi, tu me donnes plus que tous les gens qui viennent ici. Autant il n'avait rien du tout, qu'est-ce qu'il devait donner à Rabbeinu, même s'il lui donnait quelque chose. Mais c'est dans qu'est-ce que la personne
Quel contexte, dans quel contexte ça s'est fait? Le contexte, il est porteur de la. De, c'est lui qui donne la valeur à la chose. C'est comme l'emballage, si tu veux. C'est comme un emballage. Tu vas mettre maintenant un emballage dans un truc, dans un papier journal ou un truc. C'est pas comme si tu mets dans un super boîtier en écrin avec des trucs, de la présentation, du parfum, de la musique quand tu l'ouvres. Ça fait truc et tout. Ça fait monter la valeur de la chose. Alors plus le contexte dans lequel on se trouve est un contexte qui est difficile et qui est même opposé au bien, alors plus le bien qu'on fait, il a une valeur extraordinaire. La moindre petite action, elle a une valeur extraordinaire. Le Harizal, déjà à son époque, le Harizal le dit à Rabbi Chaim Vital. Il a dit aujourd'hui, avec une petite action, avec quelque chose, des petits efforts, tu peux devenir aussi grand que Rabbi Akiva à son époque. Aussi grand que Rabbi Akiva. Et pourtant, tu as fait des petites choses, tu n'as pas fait des grandes choses. Mais ce qui compte, c'est le poids que tu portais quand tu as levé ça. C'est-à-dire, regarde aujourd'hui à combien tu vas à contre-courant. Combien tu vas à contre-courant? Et moi, quand j'habitais à Aix-les-Bains, j'allais à Paris ou j'allais. Comme je suis habillé et tout. C'est pas comme que je marche à Meacharim ou au Kotel. Ici, tu m'as. Il n'y a personne qui te regarde. Il n'y a pas tu fais partie du décor. Il n'y a pas de. Mais quand tu es habillé comme ça, tu marches à Paris et tout. Tu vois, tu vas à contre-courant par rapport à. Alors tu vois que ce que tu fais, ça a une valeur. C'est-à-dire que. Dans le ciel, chaque pas que tu fais, chaque truc, on dit, regardez, mon fils, il est là, regardez, au milieu de ces gens-là, qui sont tellement différents et tout. Et voilà, il veut avoir une apparence d'un juif, etc. C'est-à-dire que ça fait monter la chose, elle a une valeur extraordinaire. Donc maintenant, la fin des temps, où le contexte, il est catastrophique par rapport au bien, les gens, par exemple, le fait que maintenant ils ont officialisé le mariage homo, qu'est-ce que ça fait? Ça fait monter la valeur du mariage normal. C'est-à-dire aujourd'hui, bon, Hachem, voilà, on a notre jeune Khatan, le fils de Youssef Moshe, notre jeune Israël. Voilà, 17 ans, ils ont été obligés de demander une autorisation au tribunal pour pouvoir se marier avant 18 ans en Israël. Je ne sais pas en France, je pense que c'est pareil, mais voilà, ils ont demandé une autorisation au tribunal pour se marier avant 18 ans. Mais vous savez ça, qu'est-ce que ça fait dans le ciel? Vous savez, aujourd'hui, un jeune, il n'a pas 18 ans, et il veut se marier, il a trouvé la femme de sa vie, il veut se marier, il n'a pas 18 ans, il veut construire un foyer. Il demande une autorisation au tribunal, et les juges ils disent, on va voir pourquoi, etc. Et tout. En fin de compte, bon, Hachem, ils lui ont attribué. Mais ça, dans le ciel, c'est des remous extraordinaires. Alors qu'à mon époque, ma grand-mère s'est mariée, elle avait 13 ans. À l'époque de ma grand-mère, comme même Rav Levitzra qui dit à Ouman, je suis arrivé, j'avais 17 ans, il a dit, ou 16 ans ou 17 ans, il dit, j'étais un vieux bachour déjà, j'étais un vieux garçon déjà, à 17 ans. J'ai dit à ma grand-mère, quelqu'un se mariait à 17 ans, et dire, waouh, la pauvre, qu'est-ce qu'elle a eu, pourquoi elle a attendu tellement longtemps, etc. Qu'elle a eu des problèmes, et qu'elle ne voulait pas d'elle, ou quelqu'un, il a un truc, et tout. Pour 17 ans, c'était en retard. Et aujourd'hui, vous voyez bien que le contexte, quand on dit quelqu'un, il se marie à 17 ans, waouh, tous les gens disent, c'est incroyable, c'est quoi comme. Pourtant, l'acte lui-même, tu vois qu'il est valorisé par le contexte dans lequel il est fait. Maintenant, plus le mensonge, il se développe, et plus toi, tu dois applaudir, parce que tu dois être content, parce qu'en fait, il fait monter en bourse tes actions. Tes actions positives, elles montent en bourse tous les jours. Tu fais rien. Tu fais ce que tu fais d'habitude, c'est tout. Tu n'as rien fait. Tu fais rien de plus. Tu fais juste ce que tu fais d'habitude. Et tout le mal, en fait, il fait monter le bien en bourse. C'est l'offre et la demande, c'est tout. Hachem, en haut, les tzadikim, ils cherchent. Ils disent, ouais, celui-là, celle-là, elle a fait ça. Ouais, regarde, ça. Quoi, il a fait un tikkun haklali dans le métro. Bah,
Elle dit, alors qu'est-ce qu'il y a? Il a fait un tikkun, mais regarde, il a fait tikkun haklali dans le métro, il peut sortir quelqu'un, il le voit lire le tikkun haklali, il peut lui faire il peut le frapper ou n'importe quoi, il peut arriver. Il dit, regarde dans quel contexte il fait ça, cet acte-là. C'est ça qui prouve la grandeur de la chose. C'est pas l'acte lui-même. L'acte lui-même est tikkun haklali, ça prend 10 minutes ou un quart d'heure. Donc, ok. Dans quel contexte tu l'as fait? Dans quelles conditions tu l'as fait? Tu n'as pas envie. Tes trucs, c'est dur, ça va contre-courant. Tout le contexte négatif, il est en fait que porteur de il porte le positif. C'est ce qui s'appelle la clipa. C'est-à-dire c'est la clipa, elle protège le fruit. Quand tu vois que un fruit, il a une clipa, cette clipa qu'il a, elle le protège en fait. Que s'il n'y avait pas cette clipa, il aurait pourri le fruit. Elle le protège. Pourtant, elle est opposée au fruit. Mais elle le protège, c'est comme ça qu'elle le protège. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, il faut apprendre c'est-à-dire à ne pas se décourager. Et justement, en voyant le côté positif qu'il y a dans chaque chose qu'on vit, c'est-à-dire qu'on a les choix qu'on a fait, il faut pas croire que ces choix-là, c'est bon, on a fait un choix une fois et c'est tout. Non, ce choix, il marche tous les jours, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est à notre avantage tous les jours. Donc tu peux pas te comparer à d'autres générations. Tu peux pas dire voilà, ouais, mais avant les gens ils faisaient ça, tu peux pas comparer. Pas du tout de comparer. Rabbi Nathan, quand Rabbi Nathan il est né, son père il avait 14 ans, sa mère elle avait 13 ans. Tu peux pas te comparer avec ça. Tu peux pas comparer aujourd'hui avec l'époque de Rabbi Nathan, que ça de moins que 200 ans. Tu peux pas comparer. Voilà, à l'époque de ma grand-mère, qu'est-ce que ma grand-mère, ça a combien hein? c'est 100 ans, 110 ans, 120 ans. Voilà, il se marie à 14 ans, c'était normal, il n'y avait rien de spécial. Aujourd'hui, Bichlal, de se marier, et de se marier un homme avec une femme, encore plus, et trucs, tu vois, que toute la bêtise que le monde, toute la folie du monde, en fait, toi, tu es gagnant avec ça. Et avec, après, un petit acte tout simple, tu vas boucler l'histoire, c'est tout. Parce qu'il y a avoir tellement de pression du mal... Que ça va faire monter ton action de façon extraordinaire. Qu'est-ce que vous voulez dire, Youssef Franché? Tout ce que vous dites qui est très clair, c'est en fait, j'ai l'impression qu'on pourrait ça prend une position par rapport à une marque qui est ramenée par Rashi sur le parachat noir. Noir, il était tzadik. Alors il y en a qui disent, ouais, mais s'il était dans l'époque d'Abraham, ouais, il aurait plus été Nirshav Bichlal. Ouais. Et l'autre, ils disent, non, Dafka, donc, il était dans cette période-là, qu'il était resté tzadik, c'est Nirshav Miol. Ouais. Donc en fait, j'ai l'impression que toute la vision de Bressel, qui vient donner du Fizouk et qui vient dire ne crois pas que c'est. Qui vient prendre à contre-pied les acquis, qui vient nous débousseler pour nous dire non, là où tu crois que tu vas tomber, au contraire, c'est là que tu vas te relever. J'ai l'impression que c'est la base, elle est sur cette marque-loquette et Rabbeinu, il prend un kiboul. Il dit non, quelqu'un qui est bien là où il y a du mal, c'est ni flamme et ordre. Mais on peut attacher ça à cette marque-loquette. Toi, tu veux dire que quoi que noir, on dit pourquoi il s'appelait Tzadik? Parce qu'il était dans Dorotav. Voilà. Parce qu'il était dans une époque où il n'y avait pas de gens tellement reluisants, donc lui, il était considéré comme un Tzadik. Voilà. Et il y en a un autre Tana, il dit non. S'il aurait été dans une génération comme Avraham Avinu, ou par rapport à Avraham Avinu, il n'aurait pas été Nirshav Bichlal. Il y en a qui disent c'est le Gnaï. Il y en a qui interprètent le Pasuk Batura comme un Gnaï pour le noir. Et l'autre qui dit, waouh, au contraire. Donc, moi, j'ai l'impression que tout ce que vous dites, toute la vision de Rabbeinu. C'est-à-dire que la vision de Rabbeinu, c'est-à-dire quand Rabbeinu dit quelque chose, c'est pas une vision, c'est la vision des choses, il n'y en a pas d'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, Noah, il était considéré comme un tzaddik parce qu'il était dans une génération de gens qui étaient comme ils étaient très loin, etc. Mais s'il avait été dans une génération de tzadikim, il aurait été encore plus grand. C'est-à-dire que maintenant tu dis voilà, mais regarde, celui-là, il a fait quelque chose de bien, etc.
Oui, mais ça, c'est parce que autour il y a tellement de mal, c'est pour ça que ça a de la valeur. Et il dit non, mais ce petit peu de bien qu'il a fait par rapport au mal qu'il y a, c'est parce qu'il y a tout ce mal-là qu'il arrive à faire que ce peu de bien. Maintenant, mets-le dans une condition avec des tzadikim, tu vas voir comment il va être. Tu vois, c'est encore bien, plus. Bien, voilà. C'est encore plus. Voilà. C'est-à-dire, il va être encore plus tzadik. C'est encore plus. C'est encore plus. Tu prends quelqu'un, des gens comme nous. Maintenant, tu nous mets. Si maintenant tu nous mets avec Rabbeinu, à l'époque de Rabbeinu, voilà, tu t'assois à la table de Rabbeinu. Nous, on meurt. C'est pas même pas qu'on devient. C'est qu'on meurt d'enthousiasme. On peut même pas vivre. Tellement on va tellement flasher, on va des trucs, on pourra même pas vivre. On peut rester vivant. C'est pas que. Aujourd'hui. Cette grandeur-là, elle se traduit en un bonhomme qui se traîne et il fait son tikkun haklali allongé sur son lit avant de dormir et truc parce qu'il n'a pas fait aujourd'hui et tout. Ça, c'est parce que le contexte, il traduit l'action comme ça. Mais ce même bonhomme-là, c'est-à-dire, ce qui fournit comme énergie pour faire ça, tu le mets maintenant dans des conditions optimisées, dans des conditions idéales. Tu le mets avec le Baal Shem Tov ou avec le Arizal. Ouais, mais ce bonhomme-là, il va. Ça devient un tzaddik amour. C'est pas. Je veux dire, quand on parle de regarder le point positif et de valoriser le point positif, c'est pas une embrouille. C'est pas un truc. C'est pas une affaire de marketing du tout. C'est du émettre les amitos. C'est pas une affaire de marketing. C'est que si le bonhomme, dans des conditions pareilles, il arrive à faire ça, ça veut dire que tu le changes de ces conditions-là, il va être un des plus grands qu'il y a. Mais c'est pas maintenant, c'est pas un coup de marketing qu'on dit, ouais, mais bon, écoute, c'est pour. Comme maintenant, tu te trouves parmi des gens qui sont pas bien, qui sont pas clairs et tout, toi, tu fais quelque chose de bien, donc ça a de la valeur. Non, non, ne crois pas que c'est parce que je suis uniquement avec des gens pas bien, que si j'étais avec des gens bien, à Kolchken, à plus forte raison que j'aurais fait des. Que encore plus, j'aurais réussi. Encore, beaucoup plus. Mais justement, le contexte, il fait que voilà, à peine ça, j'arrive à faire. Et cette chose-là, elle a la valeur parce qu'il y a un contrepoids de l'autre côté. Mais enlève le contrepoids, tu vas voir la valeur de l'acte, vraiment. Donc en fait, nous, on vit dans une astara, chez Betocha Astara, c'est-à-dire pourquoi on vit dans un contexte qui est tellement caché, tellement fermé. Parce que si on nous ouvrait, qu'on nous mettait dans des générations révélées, on aurait brûlé complètement, tellement on a envie de se rapprocher d'Hachem. Tu comprends, c'est dans ce sens-là que ça va. C'est pas les gnaï, au contraire, c'est les chevards. C'est-à-dire, voilà, pourquoi il était que noir, c'est parce qu'il était dans ces générations. Mais s'il aurait été dans une génération, il n'aurait pas été noir, il aurait été Nachman, il aurait été pas que noir. Il serait arrivé à quelque chose de encore beaucoup plus grand. Mais comme il devait lutter dans un contexte pareil, où les gens autour de lui, de quoi ils parlent, de mariage homo, de trucs, de donner Israël tous les matins, tu sais pas qui est-ce qui va se lever, qui va dire ouais, vous avez volé Israël, rendez les trucs, la Palestine, rendez ci, rendez tout ça, ça travaille. Ça travaille. Ne crois pas, il y a beaucoup de gens, de juifs qui ne viennent pas en Israël à cause de ça. Il y a beaucoup de juifs même qui sont rentrés dans le côté gauche en disant, c'est vrai, on leur a volé leur terre, rendez-leur leur terre, etc. C'est-à-dire, il y a des gens, ils ont tout lâché parce qu'ils ne peuvent plus de cette vie-là. Ils ne peuvent plus, ils veulent vivre fantomas comme tout le monde, c'est tout. Laisse-moi être un fantôme, au moins un fantôme qui vit normal. Il est comme tout le monde, il vit normal. On n'est pas tout le temps en train de l'accuser pour le moindre truc qu'il fait. Voilà, il y a eu il y a quelques jours, bon, il y a eu des morts. Alors, tout le monde dit commission d'enquête, on va envoyer l'ONU, le truc et tout. Alors le ministre de la Défense, il dit, il n'y a pas de commission d'enquête, et vous envoyez personne, rien du tout. On laisse personne venir, on fait notre vie, c'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire commission d'enquête?
Faites les enquêtes chez vous avec toute la, avec tout votre mensonge, votre crasse et votre, ce que vous faites. Vous venez chez nous, la commission d'enquête. Voilà, à côté, vous avez la série. Allez faire des connaissances d'enquête autant que vous voulez là-bas. Vous venez chez nous. Non, vous. Que vous. Pourquoi que nous? Parce que vous êtes le diamant du monde. On regarde que vous, c'est tout. Les autres ne nous intéressent pas. Il n'y a que vous qui nous intéressez. Alors, ceux qu'il n'y a que vous qui nous intéressez, c'est pris dans les deux côtés. Soit maintenant, tu dis, pourquoi nous, on nous regarde tout le temps et tout? Alors, soit tu te dis, on me regarde tout le temps, parce que c'est moi la vedette du show. C'est pour ça qu'on me regarde. Soit on me dit, on me regarde parce que je dois avoir un trou dans mon pantalon ou un truc comme ça. C'est pour ça que tout le monde me regarde. C'est-à-dire, tu peux l'interpréter comme tu veux. Ou tu dis, tout le monde me regarde parce que je suis tellement nul que les gens, ils se disent, mais qu'est-ce que tu fais ici, là? T'es anachronique par rapport au truc. Que comment t'es tombé ici? Ou bien, c'est toi la vedette du show. Tu le prends comme tu veux. C'est à toi de décider. C'est... Alors, Béhémeth, il y a beaucoup de Bnei Israël qui tombent là-dedans. Et Rabbeinu, il te dit, ne te décourage pas, enchoumiouche, parce que Béhémeth, il y a des moments où tu as ce côté qui vient. Tu dis, attends, si tout le mal, tout ce mal-là, je suis tellement attaqué de tous les côtés, tout, c'est fatigant. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu dis, attends, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ça y est, j'ai envie d'être monsieur tout le monde et tout, j'ai pas envie de... Ça y est, lâchez-moi, je vais vivre comme tout le monde. Et voilà, on n'est pas tout le temps en train de me regarder du doigt. Dès que je bouge un truc, dès que je fais quelque chose, devient la première page des journaux, etc. Pourquoi? Tu ne peux pas vivre normal comme tout le monde. Ben non, tu ne peux pas vivre normal. Tu ne peux pas vivre normal. Quand on a vu, quand il y avait Hitler et Marchemo, comment ils ont été chercher des juifs. Même des juifs qui étaient devenus des curés, ils ont été les prendre pour les tuer. Elle dit, mais on n'est plus juif, nous, on est... Non, toi, tu es juif. Et le contraire, des gens qui sont convertis, ils ne les ont pas tués. Elle dit, mais on est juif. Elle dit, non, tu n'es pas juif, toi. C'est-à-dire qu'ils ont vu que Béhémeth, jusqu'où ça va, c'est-à-dire qu'on va chercher la personne. Alors quelqu'un, quand il voit qu'on réagit, qu'on est tout le temps en train d'accuser Israël, qu'on est en train de... voilà, la Turquie, par exemple, elle a volé une partie de l'île de Chypre et tout. Mais il n'y a aucun pays qui interdit les produits de cette partie de Chypre à la consommation. Rien. Pourtant, c'est un territoire volé, tout le monde le sait, l'ONU l'a accusé et tout, il n'y a pas de problème. Mais ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. Parce que la Turquie, que tu existes ou que tu n'existes pas, tu ne changes rien dans le jeu. Donc c'est pour ça qu'on ne te regarde pas. Mais d'un autre côté, tu peux avoir l'autre côté, c'est-à-dire que tu en as marre. C'est-à-dire que toi, si tu as fait une usine dans des territoires que les gens ils disent que c'est des territoires occupés, alors que c'est tout le monde sait que l'histoire du monde, tout le monde la connaît. Il n'y a rien de plus évident que il y a aucun pays au monde à qui sa terre appartient comme en Israël. Aucun pays au monde qui peut prétendre que sa terre elle est à lui. Aucun, c'est tous des voleurs. Il n'y a personne que son pays est à lui. Personne. Tu prends l'Amérique, les Indiens, tu prends la France. Et qu'est-ce que c'est la France? Regarde qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir la France. La Martinique, la Guyane, les trucs, tout c'est à eux. Ça. La Martinique, c'est la France. La Corse, c'est la France. Voilà notre ami Yehuda. Notre ami Yehuda. Yehuda, le Corse, qui est là-bas, Breslev, en Corse. La Corse, c'est la France. Que savoir? Ils ont leur langue, ils ont tout. Non. Alors, eux, ils volent, c'est normal. Il y a pas, on parle pas, il n'y a rien à dire, c'est comme ça, c'est normal. L'âme Israël, sur sa terre, on dit, c'est pas ta terre. Alors, il y a des gens, ils en ont marre de ça. Ils disent, on ne peut plus vivre comme ça. Alors, soit maintenant, on est des super diamants, c'est-à-dire on a une valeur tellement extraordinaire que tout le monde nous en veut, tout le monde est jaloux, tout le monde essaye de nous casser. Soit le contraire, à dire on dira lâche-moi, ça y est, je veux devenir monsieur tout le monde, je veux vivre comme tout le monde, et oublie-moi, c'est tout. Alors Rabbeinu te dit non, enchoumiouche bon lam klal, ne te décourage pas. Et sache que plus tu es attaqué, et plus tu as la preuve de la valeur que tu as. Plus c'est ça ta valeur. Regarde combien tu es attaqué, c'est comme ça que tu vas te valoriser. Regarde combien c'est difficile, et comme ça tu vas avoir la valeur de ce que tu es en train de faire.
Et Rabbi Nathan, il dit toutes les minyot, toutes les difficultés qu'il avait dans chaque chose, pour faire chaque chose. Quand ils ont fait un Shavuot, quand Rabbeinu il était malade, il était parti, et je crois à Zoslov, une visite qui s'appelle Zoslov, il était là-bas pour Shavuot. Il leur a écrit, il leur a dit surtout que personne n'ose venir à Shavuot et tout, et rester chez vous, etc. Alors quand ils ont reçu cette lettre, Rav Naftali, il a reçu cette lettre de Rabbeinu. Dès qu'il a reçu la lettre, il a été voir tout le monde. Il a dit « Préparez-vous tous, on va à Shavuot chez Rabbeinu. » Parce que même que Rabbeinu leur a dit, il a dit « Surtout ne venez pas », Rav Naftali, il a dit « Ça, c'est le début des difficultés pour y aller. » Alors ça veut dire on s'accroche tous, on se donne rendez-vous, on voyage tous ensemble. Ils se sont donné rendez-vous à Breslev, les 2 jours avant Shavuot, pour voyager tous ensemble chez Rabbeinu pour Shavuot. Et Rabbi Nathan aussi, et Rabbi Nathan, il devait arriver chez eux, et il était dans la ville avec son beau-père, et juste son beau-père, il venait d'arriver, son beau-père c'était un très grand Rav, et il devait lui laisser la place de Rav dans la ville où il était, parce que son beau-père, il devait aller dans une autre ville. Et quand il est rentré, il a commencé à préparer ses bagages pour partir, sa femme s'est mise à pleurer, son beau-père, il a été lui pour lui dire au revoir, il voulait même pas lui dire au revoir, sa belle-mère lui a crié dessus. Partout où il allait, il était mamache, il dit regardez toutes les difficultés qu'il y a pour chaque chose qu'on va vouloir faire. Et ça, tous les Breslevers, ils vous diront, il dit maintenant de son vivant de Rabbeinu, mais maintenant pour aller à Ouman, il y a toujours des difficultés. Toujours des difficultés, ça sera toujours comme ça. Parce que c'est ça qui donne qui prouve la valeur de la chose, c'est tout. Ça montre que la chose a de la valeur. Maintenant, si quelqu'un il dit si ça marche pas, alors ça veut dire que c'est pas bien. Alors voilà, il s'est trompé. Donc Hachem, quand il a consolé la lune, c'est ça qu'il lui a dit. Il lui a dit écoute, tu t'es diminué, c'est-à-dire que le bien, il va pas être évident, et il va être même complètement à l'envers. Et si tu vas avoir de l'honneur, alors tu vas faire le contraire. C'est-à-dire il faut que tu sois comme monsieur tout le monde, si tu veux être honoré. Sinon, on va te dire, ouais, mais tu peux pas, tu n'as rien trouvé d'autre dans la Torah que Breslev et tout, il n'y a pas d'autre chose, il y a beaucoup de trucs dans la Torah. Pourquoi tu as été avec ces fous-là? Il y a des choses plus normales. Pourquoi ça, mon fils? Pourquoi tes trucs? Ma fille, pourquoi un mari Breslev? Pourquoi un truc? C'est comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une aide. Une aide internationale à la valorisation du bien. C'est ça l'aide internationale. En fait, les gens, il y a quelqu'un qui a parlé à l'ONU quelques jours, je ne sais pas si c'est un représentant palestinien, mais il leur a dit tout votre truc là que vous faites, l'ONU et tout, en fait, vous n'en avez rien à faire, ni du peuple palestinien, ni d'Israël, ni rien. C'est tout un montage pour vos intérêts à vous. Arrêtez votre cinéma, arrêtez votre cirque. Vous avez des intérêts dans la région, c'est tout. Et vous n'en avez rien à faire de nous, comme des milliers de morts qui sont à côté de nous en Syrie, vous n'en avez rien à faire de nous aussi, vous n'en avez rien à faire. Et Israël, vous n'avez rien à faire d'Israël, et ce n'est pas un pays moins bien que les autres. Tout ça, c'est un montage de vos intérêts. Et tu vois, tous les gens là-bas, ils restent comme ça, ils ne bougent plus. Ils ne bougent plus, il n'y a plus personne qui bouge. Parce que c'est tout de la politique, du mensonge, c'est tout des trucs de manipulés de tous les côtés, etc. En fait, tous ces gens-là, ils travaillent que pour la valorisation du bien. Seulement, il y a juste un truc à passer. Un truc à passer, c'est-à-dire il faut... C'est comme des rapports commerciaux, c'est-à-dire il faut savoir comment ça marche, c'est tout. Quand tu sais que le bien qui est en toi, il est attaqué, alors tu comprends comment ça marche. Tu sais que quand on t'attaque, ça veut dire que c'est bien. Ça veut dire que c'est bien. Tu as un couple. Il y a un couple. Baruch Hashem, on construit une famille, il y a des enfants et tout. Il y a des disputes. Ces disputes-là, elles sont bien. C'est pas que la dispute, elle est bien. On s'en serait passé de la dispute. Mais la dispute, elle prouve que ce que je suis en train de faire, c'est bien. Sinon, pourquoi il y a ces disputes-là? Si c'était pas bien, on m'aurait même pas regardé. Mais si on m'attaque tout le temps, ça veut dire que ce que je suis en train de faire, c'est extraordinaire. Pourquoi on m'embête? Je ne sais pas si tu compares un mariage homo et un mariage normal, si les homos se disputent autant dans leur couple que un couple normal. Il faudrait faire une,
une étude de marché. Je ne sais pas comment ça marche. Il y a pas de, on ne connaît pas les gens qui font du shalom bayit chez les homos pour savoir combien ils viennent voir des gens pour parler de leurs problèmes, qu'ils ne s'entendent pas bien, etc. Parce que personne ne va les attaquer. Pourquoi ? Parce que il y a aucune valeur, c'est tout. Donc quand tu vois quelque chose est attaqué, tu dois dire, bah, Baruch Hashem, je sais, mais tu as le droit de dire Hashem, je sais que c'est merveilleux et tout, c'est extraordinaire, mais je t'en prie, aide-moi que ça se passe en douceur, parce que des fois je suis fatigué, toutes ces attaques-là. Des fois c'est fatigant, on a envie de faire un petit peu de repos, un peu des fois de tranquillité, mais c'est comme ça, plus que la personne elle va être, plus avoir du bien, plus avoir persécuté, sans arrêt. Regarde David Ameller, sans arrêt. Rabbi Nathan, il dit, David Ameller, c'est pas rien qu'il devait être un mort-né et que Adam Harishon, il lui a donné 70 ans de sa vie. C'est que tous les jours de sa vie, David Ameller, il était un mort-né. C'est-à-dire, sa journée, elle était morte. Il fallait mamash la tirer complètement de la non-existence à l'existence. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de journée tranquille, voilà, allez, on commence, on va liquider les affaires courantes et trucs. Il n'y a pas de trucs comme ça. Chaque jour, c'est une guerre pour la journée. Sinon, il n'y a pas de journée. Rabbeinu, c'était comme ça aussi. Rabbeinu, il dit, pourquoi tout ce que je fais, c'est tellement difficile? Rabbeinu, jamais ce qu'il faisait, ça venait comme ça facile. Tout était difficile, extrêmement difficile. Mais comme Rabbeinu, il savait ce qu'il était en train de faire, alors il se battait sans arrêt. Mais parce qu'il était conscient, c'est-à-dire il connaissait les règles du jeu. Nous, le problème, c'est qu'on ne connaît pas les règles du jeu. On veut, on a envie d'adhérer, on dit, ouais, c'est super, tout. Mais quand la difficulté, elle vient, on en a marre. C'est-à-dire, il y a des moments où on en a marre. C'est-à-dire, on dit, attends, mais jusqu'où? Jusqu'où il faut payer cette chose-là? Il y a des moments où tu dis, attends, si c'est vrai, on a marre de souffrir. Il y a des moments où on dit, attends, parce que maintenant, on est les meilleurs, alors on doit souffrir le plus. Il y a des moments où c'est fatigant, cette façon de voir les choses. Il y a des moments où on en a marre. C'est-à-dire, on dit, okay, montre-nous un peu le compte en banque, qu'on voit un peu qu'est-ce qu'il y a dessus. Ne montre pas avec les coups. Mais de temps en temps, fais-nous voir que ça nous donne au moins la force de tenir. Parce que des fois, c'est trop. C'est-à-dire, c'est sans arrêt. Alors maintenant, dans nos générations, où BMET, on est dans une lutte entre le bien et le mal qui est énorme, cette lutte-là, elle fait que des moments, on a tendance à se décourager parce qu'on voit pas de résultats évidents. C'est pas évident. C'est pas évident. Et même les résultats que tu vois, bon, c'est des fois pas grand chose. C'est-à-dire par rapport à. Tu compares à des gens qui ont réussi spirituellement et tout. Bon, ça a l'air d'un petit capital, d'un petit truc que tu as fait, pas énorme. Mais si tu savais comment c'est énorme, des fois tu dis Hachem, mais montre-moi un petit peu, au moins un petit peu, que ça me donne des forces. Parce que des fois, difficile. C'est difficile. Quelqu'un il prépare la fête, les trucs et tout, boum, 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 des trucs qui lui tombent de tous les côtés, des trucs, il dit « Attends, mais quelle fête, quel truc, pourquoi ça doit être comme ça ?» Il y a des gens, ils font pas la fête, okay, mais ils sont bien. Ils sont contents, ils se baladent, ils font truc. Et nous, parce qu'on fait la fête, parce qu'on fait Pessah, il faut qu'on prenne ces trucs-là sur la tête. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi ça? Pourquoi c'est... Difficile, c'est pour ça qu'on a besoin de. Il lui a fait à la lune, il lui a mis toutes ses étoiles autour d'elle pour la consoler. Il lui a montré des petites étoiles comme ça, des petites étincelles comme ça, des toutes petites comme ça autour. Elle voit les étoiles, ça la console. Elle dit, ah, bon, voilà, il y a des petites étoiles, ça brille un petit peu. On ne peut pas voir tout, on ne peut pas, mais des petites étoiles. Il y a des moments où il y a des petites. Des petites consolations comme ça. C'est des prix de consolation. Je me rappelle quand j'étais petit, je jouais à la pétanque, ils nous donnaient prix de consolation. On gagnait un paquet de pâtes et du sucre, des trucs comme ça. C'était, on partait avec le prix de consolation. On était contents d'avoir un petit prix de quelque chose. Alors, ce qu'il dit ici, que Beprinat matzdike arabim ke kochavim, matzdike arabim hainu tzadike ador, shedanim et akol kavzchut.
les sadikims de la génération qui jugent tout le monde positivement. Tout le monde. En fait, c'est une arnaque. Celui qui croit qu'il est nul, il s'est fait arnaquer. Celui qui croit qu'il n'est pas bien, il s'est fait arnaquer. Parce que le tzadikim, il juge tout le monde positivement. C'est-à-dire, il n'y a personne dans notre génération qui sortira qui est perdant. Tout le monde va sortir gagnant. Même le gars que tu vas voir le plus éloigné qui est, il est gagnant. Parce que le tzaddik, il a une force de juger positivement comme il n'y a jamais eu dans le monde. Il a une force de voir le bien comme il n'y a jamais eu dans le monde. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la miséricorde, c'est tout. La miséricorde, ça ouvre l'œil du bien. Plus il y a de miséricorde, plus l'œil, il capte le bien. Quand on aime, on peut pas voir le mal, parce qu'on est orienté, c'est-à-dire il y a déjà un préjugé positif. Plus maintenant l'amour est grand, plus la miséricorde est grande, plus le préjugé positif est grand. Donc ça permet de voir du bien comme avant tu pouvais pas le voir. Avant il y avait plus de c'était plus un rapport de règles du jeu. C'est-à-dire qu'il y a des règles du jeu. Il faut que tu respectes les règles du jeu. C'est-à-dire que voilà, tu as fait ça, ok. On va te donner par rapport à ce que tu as fait de bien, etc. Mais le fait que maintenant la miséricorde, elle a augmenté. Aujourd'hui, il n'y a plus de règles du jeu. Il n'y a plus. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit « j'ai terminé déjà ». Pourquoi Rabbeinu, il a pu s'engager, il a dit « j'ai terminé la réparation du monde ». Comment il a pu s'engager à ça ? Pourquoi Rabbeinu, il sait qui est-ce qu'il va y avoir dans le monde, comment les gens, quelles bêtises ils vont faire, etc. Comment il peut dire « j'ai réparé le monde ». Ça y est, l'histoire du monde, elle est terminée. Le monde est réparé. Comment Rabbeinu, il s'engage dans ça ? Parce que Rabbeinu, il a obtenu une vision de la miséricorde d'Hachem, qu'il n'y a plus de possibilité de voir quelque chose complètement négatif. Ça n'existe plus. Donc du moment où on ne peut plus voir quelque chose de complètement négatif, donc on ne peut plus accuser une personne, puisqu'il y aura toujours quelque chose de positif. Donc ça y est, c'est terminé. C'est pour ça qu'il a dit « j'ai terminé ». Ça veut dire que j'ai terminé et je vais terminer. C'est-à-dire j'ai terminé par le fait que j'ai décroché la vision de la miséricorde la plus grande d'Hachem qu'il y a eu depuis la création du monde, miséricorde totale. Et cette vision-là, miséricordieuse, elle va me permettre de voir du bien là où apparemment tu ne vois pas le bien. Apparemment, tu ne vois pas. Comme il te dit, tu cherches un point positif, tu dis, ouais, mais il n'y a rien, voilà, ça et ça. Il dit, non, cherche encore. Il dit, quoi, voilà. Il dit, voilà, mais maintenant, au moment où il a fait cette bêtise et tout, alors il s'est retenu, il a attendu quelques secondes, il ne voulait pas faire tout de suite. Donc il a attendu quelques secondes avant de faire la bêtise. Alors maintenant, ça, cette chose-là, elle est prise, et le tzaddik dit, voilà, il a attendu quelques secondes. Il dit, mais attends, mais il a fait la bêtise. Mais pourquoi il a attendu quelques secondes? Il n'y a pas de raison qu'il attende. Puisque maintenant, lui, il a décidé de faire cette bêtise-là. Pourquoi il a attendu quelques secondes? Donc, tu vois qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas envie de la faire. Donc, il est hésitant. Il est hésitant entre quoi? Il sait que ce n'est pas bien. C'est pour ça qu'il est hésitant. Donc, voilà, ça suffit. Donc, il n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait de mal. Il dit, mais quand même, il a rien fait de mal. Il y a une hésitation. Ça veut dire qu'il n'est pas, entièrement dedans. Donc, ça y est, ça suffit. Et c'est ce que Rabbeinu te promet quand tu viens au Mans. Rabbeinu te dit, il s'est dit, tu viens chez moi au Mans, après toutes les bêtises que tu pourras faire, elles seront sans les mains et sans les pieds. C'est-à-dire que sache qu'une fois que tu viens au Mans, tu pourras plus, comme on dit, t'éclater. C'est fini. Le fait que la personne, elle voudra s'éclater, ça, Rabbeinu, il l'a éclaté déjà complètement. C'est fini. Il n'y a plus de possibilité de s'éclater. C'est-à-dire que le bonhomme, n'importe quoi qu'il va faire, terminé.
il y a quelque chose en lui qui fait qu'il ne peut plus tirer profit du mal, c'est fini. Qu'il ne peut plus jouer le jeu du mal, qu'il ne peut plus dire le mal c'est bien, c'est fini. Même s'il le fait, même s'il le vit, même s'il est à 100% dedans, terminé. Le rapport avec le mal, il est terminé. Le rapport avec le mal de façon totale, avec un plaisir total, etc. Terminé. Comme ils disent, là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Alors, Rabbeinu, il te rentre une gêne. Il te rentre en toi une gêne qui va te créer de la gêne. Et que tu ne pourras plus être chalem. C'est fini. Tu ne seras pas bien. Et si tu n'es pas bien, la chose elle a plus de valeur. Tout le nian du mal, c'est quand tu es bien dedans. Mais si tu n'es pas bien dedans, le mal, ça ne s'appelle plus que tu as fait du mal. Plus que tu as fait du mal. Par exemple, tu manges. Si quelqu'un il mange du porc, que ce porc-là, il a séché complètement. Quand il y a un morceau de porc qui est resté dehors, il a complètement séché. Il n'a aucun goût. C'est comme si tu manges un morceau de papier. Quelqu'un, il vient, il mange ce porc-là. Il mange même un demi-kilo de ce porc-là. Il n'a rien mangé. Il n'a rien fait. Il n'a pas fait d'avéra du tout. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de goût. Parce que là, l'interdiction, c'est si la chose, elle a du goût. C'est le goût de la chose qui est interdite. C'est pas la chose, l'extérieur de la chose. C'est le goût de la chose. Et si la chose n'a pas de goût, ça s'appelle que tu n'as pas mangé une chose interdite. Et Rabbeinu, c'est la halakha, ouais, c'est comme ça la halakha. Ouais, un sourd. Si tu prends un sourd qui s'appelle Fag Ta'amo, Fag Ta'amo, son goût, il est parti. Tu prends un kilo de porc desséché, qui n'a plus de goût du tout. Tu le mets dans une marmite de viande et trucs. Même s'il n'y a pas 60, ça ne compte rien. C'est comme si tu avais mis un chiffon dans le truc. Il n'y a pas de goût. Donc c'est quoi ? Le truc, c'est quoi ? C'est le goût. C'est ça qu'on l'appelle par rapport au goût qu'il va donner. Sinon, il n'y a rien. Donc maintenant, quand Rabbeinu, tu viens au mal, Rabbeinu, il t'enlève le goût du mal. Il te dit, allez, vas-y, continue. Vas-y. Imaginons quelqu'un, il fume. Ok, il fume 2 paquets de cigarettes par jour. Maintenant, un jour, on lui enlève le goût. Il se lève un matin, il commence à fumer. Ah, c'est quoi ça ? C'est dégoûtant. Allez, vas-y, fume. Continue. Mais j'ai plus, ça me dégoûte, j'ai plus envie. Ben alors, vas-y, pourquoi tu t'arrêtes ? Non, mais je peux pas, ça me dégoûte. Alors, arrête, alors, ça me dégoûte. C'est-à-dire, Rabbeinu, il répare par l'intérieur. Il ne va pas te dire c'est pas bien et tout. Parce qu'il sait que tu es fou. Donc, s'il commence à discuter avec toi, il ne va jamais terminer. Tu comprends ? Ça ne va jamais se terminer. La discussion va jamais, avec un fou, tu ne vas jamais terminer. Tu vas commencer à parler avec lui, il va te sortir tout ce, n'importe quoi. Donc, tu ne vas jamais terminer avec lui. Donc, il faut que tu trouves quelque chose que tu lui enlèves. Tu lui enlèves le goût de la chose de manière à ce qu'il ne va, il va plus la faire, c'est tout. Ça ne l'intéresse plus. Au début, il va continuer. Et des fois même, c'est pire. Les gens, ils se plaignent. Des fois, ils disent, ouais, j'étais à Ouman et tout. Après, c'était pire. C'est normal parce que des fois, quand tu sais que c'est comme quelqu'un, il sait qu'il va jeûner, par exemple. Ou bien quelqu'un, il sait que c'est Pessah. Alors, la veille de Pessah, il mange 3 baguettes. Parce qu'il sait que pendant une semaine, il ne va pas manger de pain. Alors, ça lui donne une folie comme ça. Il faut qu'il mange du pain et du pain et du pain. Le plus, et si le matin, il se lève très tôt, il prie, tout le monde prie au Netz. La veille de Pessah, parce que il peut pas, à 10 heures, il peut plus manger de pain. Donc il faut qu'il attaque. Et à 7h, 7h30, il prend un petit déjeuner, et il attaque, il se remplit avec du pain et tal. Alors que, Bémet, il n'y a pas besoin si tu le prends dans un jour normal, il n'y a pas besoin de manger tout ça. Mais le fait que maintenant, psychologiquement, il sait qu'il va plus manger de pain, ça l'excite. Ça, c'est la même chose. Quelqu'un, il vient d'Ouman. Il sait que maintenant, le tzaddik qui lui a coupé les accès au plaisir, ça va lui déclencher des désirs 10 fois plus forts que ce qu'il avait avant. Mais c'est des désirs de rage intérieure. Le mal, il sait que ça y est, il est terminé. Donc, il est en train d'attaquer comme les Rabbeinu dit que quand quelqu'un reçoit des coups, alors il s'excite encore. Les coups qu'il reçoit, c'est ça qui lui donne envie de se battre. Alors quand le mal il voit qu'il a reçu des coups, alors il s'excite encore plus. Mais après ça s'en va, il y a l'habitude, et après l'habitude aussi elle s'en va. Parce qu'il n'y a pas de goût, alors des fois on oublie. Des fois on oublie. Il y a des gens, ils disent,
Même je crois dans la médecine, ils te disent ça. Ils te disent si tu oublies de prendre tes médicaments, ça veut dire que tu n'as pas besoin de les prendre. Parce que si maintenant tu as besoin de prendre les médicaments, tu ne vas pas oublier de les prendre. Mais le fait que maintenant tu oublies, ça veut dire que tu as plus. C'est comme quelqu'un qui dit « Oh là là, j'ai oublié de fumer. » Tu te rends compte, il y a 2 heures qui sont passées, je n'ai pas fumé. C'est terrible, j'ai oublié. Alors quoi, il va fumer 5 ou 6, une derrière l'autre, tac, 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 pour attraper. Il ne va pas faire ça. Il ne va pas faire ça, ça y est, il a oublié. Ça veut dire qu'il y a un détachement qui se fait, c'est tout. Il y a un détachement qui se fait. Petit à petit, comme ça se détache. Après, ça en va complètement. La chose disparaît complètement. Quoi? Merci, là, c'est parce que je vous dis des choses, c'est mon flamme, alors je me dérange. Mais c'est le cas parce que vous dites, c'est extraordinaire. Rabbi Shimon, il a dit, il y a marqué dans le Mora, que lui et son fils, ils ne peuvent pas tourner le Olam. Et pourquoi il dit ça? Parce que je peux dire qu'ils sont tous endormis ou tous fous ou tous inconscients. Ouais. Donc Rabbi Shimon, il va dire, comme vous êtes des inconscients, alors je ne vois pas tourner. Mais ce que vous dites, ce que vous nous expliquez, Rabbi Nous, ça va beaucoup plus loin. Il va dire, non, moi, c'est parce qu'ils sont conscients d'un petit peu de bien que je vais rendre tout le monde zakai. C'est ouais. Beaucoup plus puissant. C'est une autre vision des gamins. Et vous avez expliqué quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire, même s'il a une hésitation dans le mal, alors, c'est pas du bien actif, mais c'est un mal retenu, ça s'appelle aussi du bien quelque part. Bien sûr. Ça va, c'est une autre vision extraordinaire. C'est complètement. C'est la même. Rabbi Shimon, il ne rentre pas tour parce qu'on a conscience. Rabbi Nous dit non, il y a un petit peu de bien, c'est avec ça qu'il ne rentre pas tour. Tout à fait, tout à fait. Ça fait Rabbi Shimon, lui, il voit que les gens, il dit que tous les gens, ils sont shikorim, tous les gens, ils sont comme des soulards, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils sont inconscients. Mais Rabbeinu, non, Rabbeinu, il ne te dit pas ça. Il te dit que maintenant, il y a du bien en toi. C'est Rabbi Shimon, il les sauve sans se couvrir, sans rien. Mais Rabbeinu dit non, je ne vais pas les sauver à l'arrache. Je vais les sauver parce qu'il y a du bien en eux. Ouais, je ne vais pas faire un truc pour essayer de prouver qu'ils sont. qui sont pas jugeables. Non, je vais prouver que ce qu'ils ont fait, c'était pas du mal. Par un jugement vrai, pas juste en disant des choses qui vont faire plaisir. Alors il te dit Matzike Rabim Hayn Tzadike Ador Shedanim et Hakol le Kapsrut. Tout le monde, il les juge positivement. Tout le monde. Sans exception. Tout le monde. Donc il n'y a personne qui peut dire « je ne suis pas bien ». Tu ne peux pas dire ça. Parce que le tzadik, il va te prouver que tu es bien. Et quand tu sais que tu es bien, ça va t'obliger à t'engager, comme on a dit hier. Quand tu sais que tu es bien, ça t'oblige à t'engager. On dit maintenant, hier j'ai pensé après le cours, je me suis dit, quelqu'un maintenant qui cherche du travail, par exemple, quand il arrive quelque part, bon, il y a 2 sortes de gens qui cherchent du travail. Il y a des gens qui cherchent du travail parce qu'ils ont envie de travailler. Il y a des gens qui cherchent du travail parce qu'ils sont envoyés par Pôle emploi et si jamais ils se présentent pas, ils vont lui enlever la location, d'accord? Mais lui, il n'a pas envie de travailler parce que de toute façon, il touche un salaire sans travailler. Donc lui, il va faire tout ce qu'il peut pour pas travailler. Donc celui qui veut travailler, il vient, il dit, on lui dit, bon monsieur, il dit, voilà, votre CV, voilà ce que j'ai fait, etc. Il dit, oui, mais vous savez, ici... C'est pas comme tout le monde, hein, si on travaille. Il dit, non, mais moi, il n'y a pas de problème. Moi, vous savez, j'ai fait ça, un truc. Et il sort tout ce qu'il a de positif en lui. Pourquoi? Parce qu'il a envie de travailler. Mais maintenant, celui qui vient de Pôle emploi, et que lui, maintenant, il espère qu'il ne va pas être embauché, parce que sinon, il va commencer à travailler pour. Donc, lui, qu'est-ce qu'il dit? Qu'on va lui dire. Mais vous savez, ici, il faut. Ah non, moi, ça, je ne sais pas faire. Ah non, ça, je ne peux pas faire. Bon, mais il y a des fois, il faudra que vous veniez à 6 heures du matin. Hein. Mais, ah non, ça je peux pas. Moi, j'ai des enfants, un truc que je dois accompagner à l'école. Ma femme, elle peut pas. Et un truc. Alors, il va essayer de trouver tout ce qu'il peut pour que l'autre, il lui dise, alors monsieur, on peut pas vous embaucher. Alors, il va dire merci beaucoup, au revoir, c'est tout. Il va rentrer pour l'emploi, il va amener la signature, comme quoi il s'est présenté. Et voilà, c'est une location, elle continue tranquille. Donc maintenant, le gars qui sort, qui a envie de travailler, en fait, il sort tout ce qu'il a de positif en lui. Ça, c'est la preuve qu'il veut travailler. Mais ça, c'est la même chose. C'est-à-dire, quand tu cherches ce qu'il y a de positif en toi, ça veut dire que, tu as envie de travailler. Donc, tu cherches le moindre point positif pour essayer de travailler. Tu cherches un outil, même si tu n'as pas une super boîte à outils, super avec la dernière personne. Tiens, un petit tournevis, il n'a pas de manche et tout. Avec ça, tu vas essayer de travailler, tu vas essayer de faire ce que tu peux. Et qu'est-ce que je peux faire avec ça?
Ok, j'ai pas une perceuse électrique, j'ai un petit tournevis, il a pas de manche, donc je peux pas forcer. Alors je vais voir, peut-être je vais trouver une pince avec, je tiens le truc du tournevis. Il va essayer de trouver tout ce qu'il peut pour essayer de travailler, parce qu'il veut travailler. Alors Rabbeinu te dit, regarde, c'est ça faire tchouva. Faire tchouva, ça veut dire que tu cherches le bien qui est en toi, parce que tu veux travailler, les mains. Donc pour travailler, tu vas chercher ce qui est valable en toi pour l'exploiter, pour te mettre au travail. Mais celui qui n'a pas envie de travailler, il va chercher le négatif qui est en lui. Et en fait, ça veut dire qu'il n'a pas envie de travailler. C'est tout. Et quand tu vas au bout des choses, tu vas voir que cette personne-là, quand elle dit « ouais, mais moi », mais en fait, si tu vas jusqu'au bout de ça, c'est que le gars, il ne veut pas travailler, c'est tout. C'est pour ça qu'il dit qu'il est nul. C'est pas parce qu'il est nul. C'est juste un prétexte, c'est tout. Donc Rabbeinu, quand tu dis « enchoumi ujbaam klal », ça veut dire, il te dit, le désespoir, ça n'existe pas. Donc laisse tomber cette histoire-là, parce que c'est tu vas embobiner personne. Et maintenant, j'ai vu en France aussi, ils sont en train de durcir les lois, justement, des chômeurs, quand ils se présentent, etc. Que ça soit plus contrôlé. Parce qu'ils savent que les gens, une fois que le gars s'est installé, il s'est habitué à vivre avec une caution de chômage, pourquoi tu veux qu'il travaille ? Pas de raison de travailler. Parce qu'il va toucher un petit salaire et s'arranger à vivre avec ça. Il y a de raison qu'il travaille. Donc il va faire tout ce qu'il peut pour se présenter négativement. Et avec ça, ça le rend quitte. Mais en fait, c'est un alibi pour pas travailler, c'est tout. Donc Rabbeinu dit, tu veux faire tchouva, le fait que tu cherches le bien qui est en toi, c'est la preuve que tu veux faire tchouva. Vraiment. C'est-à-dire, je t'essaie de trouver qu'est-ce qui marche chez toi pour l'utiliser, c'est tout. L'étude, elle marche pas, alors la prière, elle marche. L'étude ni la prière, ça marche pas, alors la tzedaka, elle marche. Ça marche pas, alors tu peux rendre visite à des malades. Tu peux chanter, tu peux faire distribuer des prospectus, tu peux distribuer des trucs, tu peux envoyer des trucs sur Internet, tu peux n'importe quoi. Mais tu fais, c'est pas possible que tu peux rien faire de bien, hein, d'avoir casé. Tu n'as pas envie de travailler, c'est tout. C'est pas difficile. Il ne faut pas croire que c'est un truc comme ça poétique. C'est-à-dire, c'est quelque chose de très concret, de très réel. Quand Rabbeinu te dit « regarde le bien en toi », ça veut dire que sache qu'il y a du bien en toi. Et si tu ne le vois pas, cherche-le. Parce que moi, je te dis qu'il y a du bien en toi. Moi, je le sais qu'il y a du bien en toi. Moi, n'essaye pas de dire « moi, j'ai rien de bien ». Ce n'est pas vrai. Il y a du bien en toi. Ne dis pas « je ne suis pas capable ». Dis « je ne veux pas si tu veux ». Mais ne dis pas que je ne suis pas capable. Une fois, il y avait ça avec le Baal Shem Tov. Il y avait des juifs qui étaient en train d'étudier à la synagogue. Et il y a un cocher qui est rentré. Il a dit, venez m'aider, j'ai ma charrette, elle est complètement bourbée dans le truc. J'arrive pas à la sortir. Alors, ils lui ont dit, écoutez, regarde-nous, on n'a pas de force. On peut pas lever une charrette. Tu vois bien comment on est. Comment on va te... Alors, il a dit, ne dites pas que vous pouvez pas. Dites que vous voulez pas. Alors le Baal Shem Tov, il a entendu ça, il a dit, voilà, il dit, sache, ne dis pas que tu peux pas, dis que tu veux pas, mais ne dis pas que tu peux pas. Parce que si tu veux, tu vas avoir la force de faire. Parce que tu vois, on ne te demande pas maintenant, aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile, si tu veux, de dire que tu peux pas. Pourquoi ? Parce qu'on ne te demande pas grand-chose. Bémet, on ne te demande pas grand-chose, c'est des toutes petites choses qu'on te demande. On ne te demande pas des grandes choses. Mais ces petites choses-là, elles ont une valeur énorme si tu les fais. Alors si tu sais qu'en faisant des petites choses, ça va avoir cette valeur-là, tu vas les faire, c'est tout. Mais Rabbeinu te dit, ne te roule pas. Le désespoir, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une fois, il y avait quelqu'un avec ses bains qui voulait se suicider. Il avait beaucoup de problèmes et tout, un jeune. Alors Il est venu me voir, il m'a dit, je peux parler avec toi et tout, je parle avec personne, mais voilà, je peux plus et tout, je vais me suicider et tout. Je lui ai dit, regarde, pourquoi tu vas te suicider? Tu crois que dans ce monde-là, tu crois que tu peux faire ce que tu veux? Tu peux pas faire ce que tu veux, tu fais partie d'un plan. On t'a amené ici et on veut faire quelque chose et tu dois arriver quelque part. Tu peux pas te sauver. Maintenant, regarde maintenant, quel âge tu as, 20 ans, 22 ans, tu vas te suicider, tu vas recommencer. Au moment où tu te suicides, tu vas renaître tout de suite. Tu vas renaître, tu vois, tu as déjà au moins passé 22, 23 ans. Pourquoi tu vas recommencer encore? Au moins ça, tu les as passés déjà. Je dis, sois intelligent. Si tu veux vraiment te suicider, continue à vivre. Ça, c'est un vrai suicide. C'est-à-dire, ça s'appelle une vraie...
quelqu'un qui veut terminer. Mais je dis, mais si tu te suicides, tu es un idiot parce que tu vas retourner à la case départ. Tu vas recommencer tout, tu vas repasser tout ce que tu as passé avec l'école, la maternelle, ils vont te tirer les oreilles, ils vont tes trucs, et tout ce que tu as passé, tu vas le recommencer encore. Laisse tomber, au moins ça, tu l'as déjà passé. Continue. Alors ça va, ça l'a calmé. Tu peux pas te sauver. Il n'y a pas où te sauver. On n'est pas là pour faire ce qu'on veut. On a été amené. Il y a un plan, c'est tout. Hachem, il a un plan. Hachem, il a un plan pour chacun. Donc, de la même manière que quelqu'un il se trouve là où il se trouve, malgré lui. C'est pas lui qui a décidé. Quand il a bête décidé où naître, quelle langue parler, et dans quelle école apprendre, quels parents il a, avec qui il se marie. Tout ça, c'est pas lui qui a décidé. On l'a mis là-dedans. Maintenant, il peut pas changer ces choses-là. Parce que ces choses-là, c'est de la programmation. Il peut pas changer. Il veut changer, il parle avec Hachem. Il dit, voilà, un truc, j'en ai marre de ce truc-là et tout, ça me fatigue, je voudrais autre chose. Je dis, ok, tu as le droit. Mais tu ne peux pas changer avec tes mains, parce que tu prends des risques énormes. Tu peux faire des catastrophes. Après, on te remet à ta place, on te remet à la case départ, tu vas recommencer tout, et c'est beaucoup plus difficile. Rabbeinu dit, quelqu'un qui ne veut pas souffrir un peu, il va souffrir beaucoup. Quelqu'un, il ne veut pas souffrir un peu, il ne veut pas aller chez le dentiste pour qu'on lui gratte la carie. Tu vas voir, au milieu de la nuit, il va se réveiller avec quand la dent, elle après, ça atteint la carie, elle atteint les racines et tout. Après, il va voir qu'est-ce que ça veut dire. Quand quelqu'un ne veut pas souffrir un peu, il va souffrir. Il faut qu'il sache qu'il va souffrir beaucoup. Tout ce que tu vas choisir de par toi-même pour fuir la difficulté, tu vas faire qu'augmenter la difficulté, c'est tout. Parce que la façon dont Hachem, il t'amène la situation qui est difficile pour toi, c'est la façon la plus facile qu'il a trouvée pour toi. Il n'y a pas plus facile pour toi. Et si toi, maintenant, tu rejettes ça, le plan B, il est toujours plus dur que le plan A. Toujours plus dur. Parce que on doit rattraper des éléments que tu as rejetés dans le plan A. Et que Bémet, on avait négocié des choses, on t'avait facilité beaucoup de choses. Mais maintenant, tu as rejeté le plan A, le plan B, il est toujours plus dur. Toujours plus dur, le plan B. Donc, il vaut mieux accepter ce que tu as. Et tu as quelque chose, c'est-à-dire, tu as quelque chose à dire, tu peux toujours t'adresser à Hachem. Toujours ouvert. Les bureaux sont ouverts 24 heures sur 24. Toutes les demandes, elles sont étudiées. Tout. Tu peux dire à Hachem, voilà, ça, je sais que c'est mon tikkun, je sais, mais c'est difficile pour moi. C'est très difficile, j'arrive pas, je souffre, je voudrais être joyeux, j'arrive pas, c'est dur pour moi. Arrange-moi la situation. Comme Rav Israël Kardouner, il n'avait pas de manteau en fourrure. Il faisait moins 40 et il sortait la nuit faire Hitbo des doutes et tout. Il n'avait pas le manteau en fourrure, c'est-à-dire que ce n'était pas des manteaux en fourrure, en vison pour les défilés de mode. Si tu as pas ça, tu peux pas vivre. Moins 40, tu te congèles. En quelques minutes, tu es congelé. Congelé mamache. C'est-à-dire, c'est pas une image. Moins 40, le bel Adam, alors les gens, quand ils sortaient fort, ils bougeaient toute la nuit, ils sautaient sans arrêt. C'est-à-dire, tu les voyais sauter, bouger les mains, les pieds comme ça, sans arrêt. S'ils s'arrêtent une minute, ils se congèlent, le bonhomme. Alors lui, Rav Israël Kardouner, il demande à Hachem, il dit, regarde, ou maintenant tu me donnes un manteau en fourrure, ou tu me montres que j'en ai pas besoin, mais tu peux pas me laisser comme ça. Parce que là, j'ai l'impression que j'en ai besoin. Alors tu peux, donne-le-moi, ou montre-moi clair que j'ai pas besoin, que je peux me débrouiller sans ça. Mais ne me laisse pas comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Hein? Il a fait quoi, Hachem? Ils m'ont demandé cette question, mais j'ai pas la réponse. Je ne sais pas. Mais c'est pareil, de toute façon. C'est pareil. Si on te donne la chose, ou on t'explique que tu n'en as pas besoin, c'est la même chose, ça revient même. C'est exactement pareil. Alors quelqu'un, Bor Hachem, la vie qu'il a, il faut qu'il sache que comme elle est optimisée, déjà. Elle est déjà optimisée. Tu veux plus, tu veux mieux, tu veux truc plus facile, plus agréable, toi, parle, c'est tout. Demande. Demande, on va étudier le cas et peut-être qu'on va te faciliter. Il y a un qui est venu chez Rabbeinu une fois, il était très riche, après il a perdu tout son argent, il est devenu pauvre. Il est venu chez Rabbeinu, il a dit à Rabbeinu, Rebbe, Rabbeinu était déjà décédé, il est venu sur la tombe de Rabbeinu, il a dit, Rebbe,
Je sais que c'est pour mon tikkun, la pauvreté, et ces trucs, mais je peux pas. Je vous dis, je peux pas. Rendez-moi l'argent, je peux pas. Je peux pas. Et Rabbeinu lui a rendu. Il a retrouvé là. Il dit, je peux pas, c'est tout. Le gars, il peut pas. Il a le droit de dire, je peux pas. Mais ouvre ta bouche, ne fais rien avec tes mains. Ouvre ta bouche, c'est tout. Viens, dis, je peux pas. Ça, je peux pas. Je peux pas, c'est tout. Je vais mourir. Je peux pas vivre comme ça. Impossible. Impossible, je peux pas. Tu as le droit de demander, pas de problème. Le fait que maintenant tu as demandé, alors on réétudie le cas d'une autre façon. C'est pas la même chose que si tu veux faire de la violation de choses qui ont été décidées, tu comprends? Du moment où il y a quelque chose qui a été décrété, tu peux pas violer cette chose-là et faire ce que tu as envie de faire. Mais par contre, tu peux venir faire tu demandes un nouveau jugement de la chose. Tu dis, j'arrive pas, c'est tout. Je sais que c'est ça qui est prévu au programme, mais j'arrive pas. Ou tu me donnes la force de vivre dans la joie et tout, ou tu me l'enlèves. Mais tu peux pas me laisser comme ça. Je peux pas, c'est tout. C'est trop dur pour moi, je peux pas. Alors je te demande, voilà, aide-moi, donne-moi la vision claire de la chose, que je sache que cette chose-là, elle est magnifique pour moi, que c'est beau, que c'est extraordinaire. Fais-le moi voir. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Ou bien, donne-moi quelque chose de plus facile. Mais je ne peux pas. Comme ça, je peux. Tu as le droit de dire ça. Il n'y a aucun problème. Mais ce que tu n'as pas le droit, c'est de changer avec tes mains. Tu n'as pas le droit de tourner le volant toi-même. Tu peux demander, faire appel sur ce que tu veux. Tu fais appel, comme les gens ils disent, faire appel. Faire appel. Ça veut dire que tu fais un appel, tu demandes à Hachem. J'appelle, je demande au secours. Je ne peux pas, comme ça. Tu as le droit de faire ça. Il n'y a aucun problème. Et Hachem, il est content que tu t'adresses à lui pour lui demander qu'il te change le menu, qu'il te change le programme, qu'il te l'adoucisse, etc. Il n'y a aucun problème. Mais tu ne peux pas te révolter et changer. Parce que c'est pire. Si tu te révoltes et tu changes, c'est pire. Quelqu'un qui s'évade de prison, quand ils le reprennent, c'est pire qu'avant. Et s'il s'évade deux fois ou trois fois, après il rentre dans des trucs qui sont hyper, hyper sécurisés. Il n'a même pas le droit au téléphone, même pas le droit à la télé, il n'a pas le droit de visite. Tout ce qu'il avait avant, il lui enlève. Parce que c'est un type dangereux, c'est tout. Parce qu'il essaye de s'évader. Mais s'il fait appel, il a le droit de faire appel. Bon, peut-être dans les cours ici de ce monde-là, tu peux faire appel que deux fois ou trois fois. Mais avec Hachem, tu fais appel toute la journée. Il n'y a aucun problème. Tu fais appel 1 million de fois, si tu veux. Il n'y a aucun problème. Ce n'est pas limité. Tu as le droit de t'exprimer, tu es un être humain, tu es un être vivant, tu as un cœur, tu ressens des choses, tu souffres, tu as le droit de t'exprimer, il n'y a aucun problème. Ce que tu n'as pas le droit, c'est de te révolter, ça tu n'as pas le droit. Mais de t'exprimer, tu as le droit. Tu as le droit de vouloir une vie plus agréable, plus facile, plus joyeuse, tu as le droit. C'est pas interdit. On n'a pas, il n'y a pas d'interdiction d'être heureux, au contraire. Il n'y a pas d'interdiction d'être joyeux, pas du tout. Il faut dire, bon, c'est comme ça, y a pas, nous on n'est pas pour la mortification, la souffrance et tout. Y a pas. On peut demander à Hachem de vivre normalement. Pas obligé de vivre parce qu'on est des juifs qu'on doit être entouré de terroristes. On peut être entouré de gens sympas, pourquoi on est des terroristes? Pourquoi on ne serait pas entouré par des gens sympas, que toutes les fêtes, ils nous envoient des fleurs, des cadeaux, des trucs. Pourquoi? Voilà, il y a des Chinois ou des trucs là qui viennent tous les ans à Sukkot, je crois, ils viennent ici à Yerushalayim, des milliers comme ça de Chinois qui viennent. On aime Israël, c'est des Japonais, on vous aime Israël, les trucs et tout. Pourquoi on n'a pas des voisins comme ça autour de nous, qui nous font des bisous tout le temps et qui sont contents? On peut demander ça, c'est pas interdit, on peut demander à Hachem ça. Pas obligé d'avoir que des gens qui font des souterrains pour essayer de nous faire exploser. On peut avoir aussi des gens sympas. C'est possible. Hachem, il peut faire ça aussi. On a le droit de demander. Ça, c'est aussi, c'est croire dans le bien. Croire dans le bien, que c'est possible, bien. Parce que ça aussi, les gens, ils croient que parce que maintenant, tu te rapproches d'Hachem et tout, alors tout devient difficile. C'est obligé que ça soit dur. Parce que quand on veut faire tchouva et tout, ça doit être dur. C'est pas vrai. Tu fais tchouva, et ça devient encore plus facile qu'avant. Et tu es plus heureux qu'avant. C'est pas parce que tu as fait tchouva que tu dois devenir malheureux. Faire tchouva, ça ne veut pas dire la fin du bonheur. Il y a des gens qui croient que se rapprocher de la chambre, ça veut dire la fin du bonheur.
Pas du tout. C'est le début du bonheur. Seulement, tu dois faire des cours de recyclage, c'est tout, parce que tu ne connais pas le métier. Mais une fois que tu vas connaître le métier, tu vas recycler ton bonheur. Et tu vas voir que tu vas arriver à un bonheur encore plus grand que celui que tu avais avant. C'est pas obligé, c'est pas de la mortification, la Torah. Mais j'ai eu prinat kochavim, prinat umadzika rabim kochavim kanal, qui a kochavim et prinat nekudot. Parce que les étoiles, c'est des points. Quand on regarde le ciel, on voit les étoiles, c'est des petits points. Mais j'ai eu prinat yetiat mitzraim. Et ça, c'est le principe de la sortie d'Égypte. Donc tout ce qu'on a vu là, et Rabbi Nathan les rapporte, et maintenant il parle de la sortie d'Égypte. Chez Nehemar, parashat achodesh azelachem, qui dit dans Shemot, dans achodesh azelachem, ce mois-là qui va être pour vous, Rosh Chodashim, le mois de Nissan, qui parashat achodesh anu kiddush achodesh hi mitzvah rishona, shenisdavu ba Israël beetiat mitzrayim. Parce que la parashat achodesh, c'est le Kiddush HaChodesh, la sanctification du mois. C'est la première mitzvah qui nous a été ordonnée par Hachem quand on est sorti d'Égypte. La première mitzvah qu'on a connue, c'est celle-là, c'est de sanctifier le mois. Donc si c'est la première, ça veut dire qu'en fait elle est porteuse de toute la Torah, puisque c'est la première. Donc il y a tout dedans. S'il y avait une autre, Hachem, il aurait présenté, donné une autre. S'il a donné celle-là, ça veut dire qu'il y a tout dans cette mitzvah-là. Parce que principalement la délivrance d'Égypte, elle s'est faite grâce à ça. Beprinat va evor alaich va erch mitbosseset bedmaamayir. Je suis passé parmi toi, parmi vous, et je t'ai vu que tu trempais dans ton sang, que tu étais en train de te mitbosseset, ça veut dire que tu bouillonnais, que tu dans ton sang. Haynu chez Israël, hayu meluchlachim, c'est-à-dire que le peuple d'Israël, ils étaient sales en Égypte. Ki hayu beprinat arba'im v'tisha sha'arei touma kiyadua, parce que ils étaient dans le 49 portes de la touma. Donc ils étaient en train de bouillonner dans le mal, dans tout ce qui est le sang, ça veut dire tout ce qui est dégoûtant. D'ailleurs, Menachamaim, ils ont découvert hier, nous ont envoyé une vidéo. Il y a en Afrique quelque part un fleuve qui est devenu du sang. Tu vois tous les gens autour comme ça, tu vois le fleuve, il est devenu du sang. Tout le fleuve, c'est du sang. Et comme ça, c'est... Peut-être qu'il y a eu un petit peu de la plaie d'Égypte qui est restée en rade, qui est sortie maintenant dans ce fleuve-là. Donc ils étaient, tout l'homme Israël, ils bouillonnaient dans le sang, ça veut dire qu'ils étaient dans toutes les choses les pires. Vachem itbar richem aleim. Et Akadosh Baruch Hu, il a eu pitié d'eux. Et Hachem, il a trouvé des points positifs en eux. Afilu betokef tumat mitzrayim, même dans toute la puissance de la touma de l'Égypte, dans toute l'impureté de l'Égypte, Hachem, il a trouvé là-bas des points positifs. Shit gabra alehem, que maintenant ils ont été attaqués par l'Égypte, c'est-à-dire que le fait qu'ils étaient en Égypte. Regardez tout ce qu'il y a eu avec 210 ans d'esclavage en Égypte. Et préparé par Yosef Hatzadik et descendre avec tous les Shvatim, avec toutes les tribus d'Israël, avec les grands Tzadikim et tout. Et 210 ans ça a duré, c'est tout, on ne pouvait pas rester plus. Regardez maintenant, ça fait 2000 ans qu'on est en Galoute. 2000 ans qu'on est en Galoute. Et c'est pas on vient de sortir, 2000 ans qu'on tourne, on tourne de pays en pays, on a pris toute la folie de tous les endroits où on est passé. Regardez maintenant la valeur de ce qu'on est en train de faire par rapport à l'Égypte. L'Égypte c'était 210 ans, ils étaient que dans la 49e porte de la Touma. Nous on est dans la 50e porte de la Touma depuis longtemps et ça fait 2000 ans qu'on baigne là-dedans. Donc il n'y a pas à comparer, c'est-à-dire tu ne peux pas comparer du tout. Tu ne peux pas comparer. Et c'est même pas 2000 ans, c'est un jour à un autre, tu ne peux pas comparer. Parce que chaque jour, il y a des tels changements dans le monde, il y a de telles ouvertures de rapports entre le mal, et c'est-à-dire le mal il se diffuse à une vitesse tellement grande que tu ne peux pas juger quelqu'un du tout, même pas d'après comme le monde il était il y a un mois. Parce qu'en un mois, il a changé. Il y a des choses qui se sont passées qui ont fait que c'est autre chose complètement. Donc il y a une valorisation du bien qui est quelque chose d'extraordinaire. Mamash extraordinaire.
On peut, maman, je danser de joie. Même quelqu'un qui fait un tout petit peu, maman, je rien qu'il lève ses yeux au ciel, il dit merci mon Dieu, il allume une petite bougie pour Rabbi Nachman, et il chante un petit peu, c'est tout, même s'il fait que ça. Ça a une valeur extraordinaire, parce que c'est porté par 2000 ans de folie, 2000 ans d'impureté, 2000 ans de délire dans tous les délires du monde, et dans la 50e porte de la Touma. La 50e porte, c'est-à-dire Rabbeinu dit, Koham Damé, la 50e porte de la Touma, c'est la force d'imagination, ce que je vous ai dit hier, l'intelligence artificielle, c'est-à-dire d'après Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il a parlé de ça, mais il n'appelle pas l'intelligence artificielle, il appelle l'intelligence comparative. C'est comme ça que Rabbeinu l'a défini. Pas l'intelligence artificielle, l'intelligence comparative. Parce que c'est une intelligence qui travaille par la comparaison. C'est-à-dire qui stocke des données et qui les compare. Alors ça, c'est le Koacham Damé. C'est-à-dire c'est la force de Medamé Milta le Milta. C'est-à-dire de comparer une chose à une autre. Alors Rabbeinu l'explique qu'il y a les cinq sens. Que ces cinq sens-là, c'est eux qui rentrent des données dans l'homme, sans arrêt. C'est-à-dire l'homme, il voit, il touche, il sent, il goûte, il a cinq sens pour capter des informations. Maintenant, son cerveau, ce que son cerveau sait, ça n'a aucun rapport avec la réalité, de ce qu'il voit. Lui, il sait des choses, mais c'est complètement théorique. C'est-à-dire, Rabbeinu dit que la connaissance, elle est aveugle, elle n'a rien à voir avec la réalité. La réalité, c'est les sens qui te la traduisent. Donc maintenant, ces sens, ils te font des stockages d'informations. Et ces stockages d'informations, c'est avec ça que tu vis. Après, tu fais des liens entre toutes ces informations qui ont été stockées et tu interprètes aussi les choses. Par exemple, si maintenant, des fois, tu te trouvais dans un endroit où il faisait chaud et quelqu'un il a été méchant avec toi, et après tu te trouvais dans un endroit où il faisait froid et quelqu'un il a été gentil avec toi, alors tu vas associer le fait qu'il fait chaud avec le fait que les gens ils sont méchants et le fait qu'il fait froid avec le fait que les gens ils sont gentils, parce que il y avait ces éléments qui étaient dans. Alors maintenant l'intelligence artificielle, c'est le développement de ça poussé à l'extrême, c'est-à-dire ça va dépasser complètement tout l'entendement humain complètement. Et ça va arriver au Koach HaDimyon, c'est-à-dire l'imaginaire, mais complètement boosté au maximum. Et ça, c'est ça la 50e porte de la Touma. La 50e porte de la Touma, de façon optimisée, parfaite, c'est ça, c'est l'intelligence comparative. C'est ça la 50e porte de la Touma. Parce que tu vas être complètement dépassé par ces calculs. Tu n'auras plus du tout de libre arbitre. C'est-à-dire, si tu réfléchis une seconde, c'est pas le chametz, c'est l'odeur du chametz, l'idée du chametz, c'est mort, c'est fini. Parce que c'est tellement puissant que tu peux pas, Bichlal, tu peux pas réagir. Tu peux pas réagir du tout. Maintenant, tu peux essayer un petit peu encore de faire quelque chose, mais il y a des domaines, par exemple, tu as le Waze et tout, tu ne vas pas discuter avec le Waze quand il te dit passe par là et passe par là, tu ne vas pas dire non mais, il n'y a pas de non mais, tu vas te planter, c'est tout. Sache-le que si tu ne le suis pas, tu vas te planter. Et quand tu dis il y a un policier là-bas, il y a un policier là-bas, tu ne t'amuses pas, ne t'amuses pas. Et quand il dit là-bas il y a un bouchon, tu vas rester coincé une heure. Donc ne t'amuses pas avec lui. Alors imagine-toi ça, poussé à l'extrême, que tu vas avoir une machine qui va te dire « Bonjour, aujourd'hui, t'es fatigué, tu vas dormir une demi-heure de plus. » Tu es obligé de faire ça. Tu ne peux pas faire autrement. Parce que la machine, elle te connaît parfaitement. Elle va te dire « Aujourd'hui, tu manges deux pommes de terre, un œuf, une tomate. » C'est tout. Et tu es obligé de faire ça. Parce que la machine, elle connaît tout ton truc, entièrement. Tout est enregistré dans la machine. Tu es enregistré depuis que tu es né dans la machine. Toutes tes réactions, tout. Quand la machine, elle va te dire quelque chose, tu ne vas pas t'amuser à faire autre chose parce que tu vas tomber malade. Et si tu ne dors pas une demi-heure de plus, tu ne vas pas être bien. Et comme ça, tout, elle va te dire tout. Tout ce que tu dois faire, tout. Où elle est la place, où elle est la vie, où elle est... Vas-y maintenant, essaie de réfléchir. Tu ne peux pas réfléchir du tout, c'est fini. Tu ne pourras plus réfléchir. Tu ne pourras que crier à Hachem, c'est tout. C'est tout. Tu ne pourras que parler avec Hachem, crier, dire bon, Shalom, c'est tout. Tu pourras dire non, la Emouna, que c'est pas vrai, il y a Hachem et trucs et tout. Mais ça va être très très dur parce que les calculs, ils vont dépasser complètement les capacités. Maintenant, tu peux encore discuter avec l'autre côté. Tu peux amener des arguments.
Tu dis, voilà, ça c'est comme ça. Je dis, non, c'est pas vrai. C'est comme... Tu peux amener des arguments, mais une fois que l'intelligence comparative va se mettre en place, c'est fini. Il n'y aura pas une possibilité de réfléchir du tout. Parce que ça, c'est la 50e porte d'Atuma, Mamash dans sa plénitude totale. Aujourd'hui, tu peux vivre un peu, tu vois des films, des trucs, mais il y a la réalité virtuelle, mais il reste encore un petit peu de réalité qui n'est pas virtuelle. Mais on va arriver à un moment où la réalité, elle va être complètement virtuelle, c'est-à-dire 100%. Il n'y aura pas de place du tout pour autre chose. Alors la seule chose qui te permettra de lutter, c'est l'Emouna. Alors regardez Hachem, comment il a agi en Égypte par rapport à nous. Comment Hachem, il a eu pitié de nous. Comment Hachem, il nous a aimés. Comment Hachem nous a fait des miracles extraordinaires. Imaginez-vous aujourd'hui les miracles dans lesquels on vit aujourd'hui, que c'est des miracles qui sont 100 fois plus grands que la sortie d'Égypte. 100 fois plus grands. Seulement, on n'est pas la vision des choses qu'on a, elle, c'est pas la même. C'est-à-dire, on voit pas de la même manière. Donc, on n'a pas l'impression de vivre des miracles tellement extraordinaires. Mais en fait, on vit des miracles qui sont extraordinaires. Vraiment extraordinaires. Qu'on peut étudier ensemble, voilà, sur Internet, les gens, ils sont dans le monde partout. Ils se connectent, on parle, ils ont des questions, on répond, c'est des choses, c'est miraculeux, c'est des choses extraordinaires. C'est des choses qui sont extraordinaires. La communication, comment elle s'est ouverte, la traduction des livres. Tu peux avoir une Mishnah en français, une Gemara en français, tu vois. Même quelqu'un qui ne sait pas bien étudier, tu as des Gemarotes aujourd'hui. Tu n'as rien si tu sais étudier un petit peu. Tu as étudié quelques centaines d'heures dans ta vie, ça y est, tu peux étudier tout le chasse, toute la Gemara. Il t'explique tout. Chaque fois qu'il reprend un mot, il te le réexplique encore une autre fois. Il suppose que tu as étudié que cette page-là. Il ne regarde pas ce qu'il t'a dit avant. Tout, il te le réexplique, tout, avec des points, trucs et tout. Mamash facile, ouvert, simple, tout est facilité. Tout, ça n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu ça. Tu crois qu'après Matan Torah, les gens ils avaient ça? Il n'y avait pas ça. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de livre, il n'y avait rien. Juste ce que tu pouvais recevoir des autres, c'est tout. Il y a une transmission. Tu as attrapé, tu as attrapé, tu n'as pas attrapé, débrouille-toi, c'est tout. Il y a une facilité extraordinaire. Il y a c'est des miracles qu'on vit qui sont beaucoup plus grands que les miracles de la sortie d'Égypte. Seulement, on ne se rend pas compte. Le fait qu'on habite à Yerushalayim, regardez, on est Pessah à Yerushalayim. Quelle différence, Mashiach, il va venir, qu'est-ce qu'il va faire? On va manger de la matzah, on va faire étudier à Pessah. Ce qu'on est en train de faire, on va le faire. Il n'y a pas de... Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer, c'est ça qu'on va faire, la même chose. Il n'y a pas, on vit des choses qui sont messianiques, mais on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte parce qu'on n'a pas la conscience des choses. C'est tellement énorme, et on n'est pas conscient. Mais regardez, 210 ans en Égypte, déjà, dans quel état on était. 210 ans, 49e porte de l'impureté. Aujourd'hui, 2000 ans, et dans la 50e porte de l'impureté depuis longtemps. Donc, qui est-ce qui va se comparer à nous? Qu'est-ce qui va se comparer à nous? Personne ne peut se comparer, personne ne peut nous juger. Personne ne peut nous juger négativement. Chaque chose qu'on fait, ça a une valeur énorme, 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 énorme. Quelqu'un qui est marié et qui a des enfants, qui, au Hachem, il fait grandir ses enfants, il fait un bar mitzvah, il marie les enfants. C'est des choses qui sont énormes, énormes, énormes. Il n'y a personne qui peut comparer tout le travail qui a été fait avant. Tu prends quelqu'un, même s'il a fait des choses extraordinaires dans la Torah, qu'il a jeûné toute sa vie, qu'il a fait... C'est rien, il ne peut pas se comparer à une action que tu fais toi aujourd'hui. Parce que dans la 50e porte de la Touma, et ça fait 2000 ans que tu tournes, tu t'es fait coller par toutes les bêtises qu'il y a dans le monde, de toutes les nations. Tu as été là-bas, et là-bas, et là-bas, et là-bas, et là-bas. Partout, tu as attrapé des trucs de tous les endroits. Donc eux, ils ont quitté Israël, ils ont été en Égypte. Après, ils sont retournés en Israël, c'est tout. Ils sont passés dans le désert. Mais nous, on a tourné partout, dans tous les angles qu'il y avait de possibilités de s'assimiler à telle façon de voir, telle façon de manger, telle musique, tel truc, telle façon de s'habiller, telle façon de parler, telle façon de cette sensibilité, cette culture, l'art, la politique. Allez, après, passe dans un autre, et après, passe dans un autre, et après, passe, et comme ça, sans arrêt. On ne peut pas comparer. Il n'y a personne qui peut se comparer à nous. Personne ne peut nous juger négativement. Celui qui se juge négativement, il se plante complètement. Il ne peut pas nous juger négativement. Impossible. Même si tu fais rien. Même si tu es assis, tu fais rien. Tu es assis comme ça, c'est tout. Tu fais rien.
c'est déjà un niveau extraordinaire. Hein, d'être dans cette génération, d'être dans cette génération, d'être assis comme ça, c'est tout, tu fais rien de spécial. Pas de mal. Tu essaies pas de faire de mal. C'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. Alors les gens, c'est ça qui leur manque, c'est tout. Parce que si les gens ils voyaient l'ouverture à un moment de la bourse, ils voyaient les valeurs, mais les gens ils seraient fous de joie. Seraient fous de joie. Fous de joie. Merci mon Dieu que tu nous as mis dans une génération comme ça. Et quand dans une génération comme ça, tu as envoyé un tzaddik comme Rabbi Nachman. Rabbi Nachman dit, vous n'êtes pas joyeux parce que vous ne me connaissez pas, vous ne savez pas. Vous ne savez pas qui je suis. Si vous saviez qui je suis, vous seriez joyeux. Il dit Rabbi Nathan, tu serais en train de danser toute la journée si tu savais qui je suis. Comment je vous répare? Qu'est-ce que je fais pour vous? Vous serez joyeux toute la journée. Mais les gens, ils sont là, bah, truc, ok, bah, ça, c'est truc, il y a ça. Mais regarde où tu es, regarde d'où tu sors, regarde où tu es dans une génération comme ça. C'est une merveille, c'est quelque chose de c'est mamache, comme on dit, quête sa plaote. C'est la fin des merveilles, c'est-à-dire la fin, c'est que des merveilles. Regardez, comparé à ce qu'il dit ici. Zeprinat nekudot tovot shematzabaem Hashem itbarach filu bemitzrayim. C'est les points positifs qu'Hashem il a trouvé en eux, même en Égypte. Bah et des enigalou, et grâce à ça, ils ont été délivrés. Vezeu va omer lach bedamai chayi. Et je te dis, dans ton sang, tu vis. C'est-à-dire même que tu es dans le sang, tu baignes dans le sang de tes défauts, de tes problèmes, de ta faute, sache que tu es vivant complètement. Ne regarde pas dans quel contexte que tu es sans, que tu es dans le sang. Regarde, sache que tu es vivant. Moi, je vois que tu es vivant, dans ton sang, tu es vivant. Même dans toute la force du sang et des choses dégoûtantes, Afalpiken chayi, malgré ça, vivant, tu es vivant, complètement vivant. Tu n'es pas mort du tout, tu es vivant complètement. Le bien qui est en toi, il n'a jamais été aussi vivant que ça. Kigam sham yecholim limtson nekudot tovot kanal, parce que là-bas aussi on peut trouver des points positifs. Shaedezeni ga'alu, que c'est grâce à ça qu'ils ont été délivrés. Les points positifs, c'est ça qu'il les a délivrés. Tu vois quelqu'un, il n'est pas religieux, il truc et tout, tu l'embrasses, tu lui dis tu es extraordinaire. Il me dit, comment je suis extraordinaire? Regarde, je te dis, tu es extraordinaire. Tu sais pas que tu es extraordinaire. Tu es quelqu'un d'extraordinaire. Dis-moi, je te dis, tu es quelqu'un d'extraordinaire. Tu es une flamme éante. Tu es magnifique, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Il dit, mais regarde, moi je fais que des bêtises toute la journée. Non. Là-dedans, cherche là-dedans, il y a quelque chose. Tu vas voir, tu vas trouver quelque chose de merveilleux, un diamant, quelque chose de très très beau. Et c'est ça qui a amené la Géoula. La Géoula, c'est la révélation de Mashiach, c'est que la prise de conscience du bien, c'est tout. C'est ça la révélation du Mashiach. Mashiach, il va se révéler le jour où toi, tu vas prendre conscience que t'es bien. Alors lui, tu vas voir qu'il est à côté de toi, c'est tout. De la même manière que tu n'arrives pas à être conscient que tu es bien et que tu as toujours des trucs, tu te poses des questions, peut-être je suis bien, peut-être je suis pas bien. Alors le Mashiach aussi, tu le vois pas. Mais le jour où tu vas être persuadé, béhémet, que tu es quelqu'un de bien, tu vas voir que Mashiach, il est là, il est à côté de toi. Il a toujours été à côté de toi. Mais tu pouvais pas le voir parce que tu n'as pas conscience du bien. Il faut que tu aies conscience du bien qui est en toi. Il dit, c'est ça qui les a délivrés. Pour ça que la première mitzvah de la Torah, c'est la parasha du mois, c'est-à-dire la parasha qui parle de Kiddush HaChodesh. C'est pour ça qu'on sanctifie le mois avec un seul point de la lune. À peine on voit un petit point de la lune, moins qu'une étoile, à peine un tout petit truc de la lune, ça suffit, on sanctifie le mois il est sanctifié. Chez Zeikar Geulat Mitzrayim, que ça c'est le Ikar de la délivrance d'Égypte, ou Geula Harona, et ça va être la Geula Harona, la délivrance finale, Prinat Kibbutz Nitre Israël, c'est-à-dire le Kibbutz de tous les Nitre Israël, de tous les gens qui sont égarés, dispersés, de toute la diaspora, de tous les gens dispersés. Dispersés de quoi? Dispersés du bien qui est en eux. C'est ça qui les disperse. C'est ça la dispersion. Dispersion, c'est de croire qu'on n'est pas bien. C'est ça la dispersion.
Donc la Gaou Harouna, ça va être de réunir tout le bien qui est dispersé dans toutes ces apparences négatives chez chacun et dans le monde entier. C'est pour ça qu'on appelle aussi le kibbutz de Rosh Hashana, c'est-à-dire Aouman Rosh Hashana, ce kibbutz, c'est-à-dire tous ces gens-là qui viennent. Et chacun, il va voir des gens mieux que lui, des gens pires que lui. Chacun à Aouman, il voit des gens qui sont mieux que lui, des gens qui sont pires que lui. Quelqu'un, il voit ça. Donc il dit, Satan, si lui, il est là, ça veut dire, si le Rebbe, il est invité à lui, mais ça veut dire, moi, je suis un ministre, je suis un prince par rapport à lui. Et si tu vois un autre, tu vas dire, waouh, celui-là, il est là. Et comment, lui, il vient. Et lui aussi, il vient là et tout. Waouh, il y a des gens extraordinaires. Donc ça veut dire que je fréquente des gens comme ça. Ça veut dire que Rabbi Nachman, il m'a invité à moi. Et en sachant que lui aussi, il est là. C'est des gens qui sont extraordinaires par rapport à moi. Donc je suis attablé avec eux, je suis avec eux. Extraordinaire. Et chacun, voilà, il va voir le bien. Il va voir le bien dans tous ces gens qui sont réunis par le tzaddik. En fait, qu'est-ce qu'il a fait le tzaddik? Il a fait que voir le bien chez tous ces gens-là. C'est ça qui les a réunis. Donc la Geoula Harouna, elle dépend que de ça. C'est-à-dire tu vas voir le bien en toi, tu vas voir le bien dans les autres. Et c'est la Geoula, c'est fini. Parce qu'il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas une autre façon de nous en sortir. On ne peut pas. On a 2000 ans de galoute, 50e porte de la Touma. Avec ces paramètres-là, tu ne peux pas t'en sortir qu'avec ça. Il n'y a rien d'autre qui peut t'amener. Et c'est pour ça que tout le monde lâche, même les goyim, même les nations, ils lâchent tous la rigueur, les trucs, et ils commencent tous à faire des trucs de positif, à faire du coach, à faire des trucs. Tout le monde va dans ce sens-là. Parce que c'est impossible de vivre autrement. Il y a pas. C'est pareil que dans la Torah. C'est partout. Dans la Torah, n'en parlons pas. C'est-à-dire, tous les gens, toutes les yeshivot, tout, ils sont obligés de rentrer là-dedans maintenant. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ils sont obligés de faire des séances de coaching avec les élèves et de leur dire que, bon, Hachem, ils ont étudié un petit peu, c'est bien et c'est extraordinaire, et trucs, ce qu'ils ont fait. Ils ne peuvent pas les comparer avec des générations et les mettre dans une vision négative d'eux-mêmes. Parce que les gens, ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas la force, le mal, il est trop fort. Le moindre éveil du mal, il va faire tomber la personne complètement. Donc, on lui disait, sans arrêt, d'optimiser, sans arrêt, parce qu'on a 50e porte de la Touma et 2000 ans d'exil, c'est énorme. Le bien, il s'est dispersé de façon énorme pendant 2000 ans. Regardez là, 210 ans, un pays, 210 ans, regardez à quoi on est arrivé, 49e porte de la Touma. 210 ans, dans un pays, 49e porte de l'impureté. Aujourd'hui, on est passé par tous les pays du monde, 2000 ans, 50e porte de l'impureté. Qu'est-ce qui peut dire quelque chose? Personne qui peut dire quelque chose. Personne ne peut dire quelque chose. Ashrei Chelko, heureux celui qui a touché, Bémet, qui a touché quelque chose de Rabbi Nachman, qui a touché Rabbi Nachman. Même s'il se trouve un million de personnes derrière. Il a touché un, qui a touché un, et le premier, il a touché Rabbi Nachman, Ashrei Chelko. Heureux est-il? Il ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'avoir ce mérite-là. Les gens, ils viennent à Oumal, ouais, un truc et tout, ça. Les gens, ils ne sont pas conscients de ce que ça veut dire. Ils ne sont pas conscients de ce que ça veut dire de venir, de toucher les tombes de Rabbi Nachman, de dire un tikkun haklali. Les gens, ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte de la valeur que ça a. Et après, quand on va voir la valeur que ça a, bah, on va dire, mais quoi hein? Quoi, j'étais que 100 fois, que 200 fois. Ah là là, j'aurais dû aller tous les jours. Si j'avais su, j'aurais été tous les jours. Comment je me suis pas rendu compte. Ah ouais, tu vas voir, c'est la seule chose que tu vas regretter, c'est tout. C'est que tu t'as pas rempli tes poches plus, c'est tout. C'est pas. Tu vas voir que c'est quelque chose qui est tellement puissant. Tu vas voir que ce que tu as fait dans le monde, avec chaque fois que tu as voyagé et tout, ce que tu as fait dans ta vie, dans la vie de tous les gens sur Terre, ce que tu as entraîné comme évolution du monde, par un voyage que tu as fait, quand tu vas voir, tu as fait 5 voyages, 10, 100, 200, 300, tu vas dire, mais quoi, ah là là, si j'avais su, dit, oui, on t'a dit, confiance en toi, sache que ce que tu fais, c'est extraordinaire, que tu as des possibilités de changer le monde. Toi, tout seul, tu peux changer la face du monde. Toi, tout seul, ouais, toi. Il dit, mais comment moi, j'ai... Toi, oui, toi, là, comme tu es là, toi, avec ta tête de métèque, là, toi, tu peux changer le monde.
Tu peux changer le monde. Si tu écoutes Rabbi Nachman, tu vas changer le monde. Tu vas être un des activistes de la délivrance de l'humanité. Les gens disent, ouais, mais c'est trop, vous parlez des choses, c'est trop fort, nous on n'est pas à ce niveau-là. Tu n'as pas besoin d'être à ce niveau. Le fait que tu vis aujourd'hui, ici, et que tu as entendu le mot Rabbi Nachman, ça suffit, ça veut dire que tu es capable d'être un des plus grands activistes de la Géoula. Voilà, il y avait bien Cohn Bendit, il a bien fait mai 68 avec l'autre là qui a fait Tshuva, Bernard Lévy, non, comment il s'appelait? Bernard-Henri Lévy, oui. Bernard-Henri Lévy, ils étaient des activistes de mai 68, oui. Tu as bien vu que des juifs, ils étaient activistes de mai 68, oui. Alors sache que hein, c'est Benny Lévy. Alors sache que maintenant... excusez-moi. Hein? Benny Lévy. Ouais, parce que Bernard-Henri Lévy, c'est quelqu'un de... Il était à Ouman l'année dernière. Ah voilà, il était à Ouman, voilà. Ça c'est Bernard-Henri Lévy. Ouais. Mais lui, c'est pas lui qui était dans mai 68, c'est Benny Lévy qui était dans. Mais lui, il est décédé, Benny Lévy. Mais il a fait Tshuva, il était ici à Yerushalayim. Hein? C'était un élève du Rav Shapira. Ah. Ah oui, je sais qu'il a étudié, qu'il était à Beit Vagan, je crois, il habitait à Beit Vagan. Des gens comme ça, ils ont renversé la France, pas que la France, le monde. Ils ont changé. Mai 68, ça a changé une vision du monde. Alors, tu peux pas croire que toi, tu peux changer le monde avec des outils que Rabbeinu te donne. Ça, c'est des trucs qui sont des trucs de politiques et sociaux. Imagine-toi avec les outils que Rabbeinu dit, je vous donne les outils de Mashiach. Rabbeinu te donne les outils. Il te dit, fais Hatzot, fais Bodidout, viens Ouman, fais Tikkun HaKlali. Tout ce que Rabbeinu il te dit de faire, ce sont des outils de Mashiach. Bon, sache que tu peux amener Mashiach. Si tu veux. Si tu veux pas, il va venir. Il y a un autre qui va l'amener. Il y a d'autres qui vont faire. Mais sache que tu peux prendre une partie, tu peux être un activiste et tu peux être même un des activistes principaux de la Géoula. Oui, comme tu es là, pas un autre. Comme tu es là, tu peux être des rien que si tu écoutes ce que Rabbeinu te dit et si tu as la Emouna. Rabbi Nathan il dit, Ouman, le Tzion de Rabbeinu, je sais pas ce que c'est. Je sais pas de quelle grandeur ça a. Mais une seule chose je sais, c'est que je dois y aller tout le temps, c'est tout. C'est ça que je sais. Et Rabbi Nathan, tout le temps, dès qu'il pouvait aller, il allait. Dès qu'il pouvait aller, il allait à Ouman. Il restait pas longtemps. Il allait, il repartait, il faisait ce qu'il avait, et il revenait, sans arrêt. Ça, il le savait, il était persuadé de ça. Et il allait voir les gens, il allait les encourager pour venir à Ouman, et il parlait à ses fils, il parlait à ses élèves, venez à Ouman. Il les encourageait sans arrêt. Parce que lui, ce qu'il savait, c'est ce qu'il fallait faire. Maintenant, la grandeur de la chose, lui-même, il pouvait pas imaginer. Il disait, jusqu'où ça va, je sais pas. Mais une seule chose, je suis sûr, c'est que je dois y aller tout le temps, c'est tout. Alors, Rabbi Nathan est fini, Baruch Hashem le'olam, amen v'amen. Donc, ça veut dire que il a donné une clé, Bezrat Hashem. Be'atzlacha, Chag Sameach, que de bonnes nouvelles. Alors, demain, on fait pas ses rêves Yom Tov. Et on reprend donc en Shabbat, on fait Kiddush à 9h30. Et dimanche à midi, on reprend le cours Bezrat Hashem, comme d'habitude. Chag Sameach, de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Et Shvi Shel Pesach, Baruch Hashem, c'est Kriyat Yam Suf, c'est l'ouverture de la mer Rouge pour tout le monde, pour tous ceux qui y croient, pour tous ceux qui l'espèrent, pour tous ceux qui le veulent, Bezrat Hashem.